Allez, bonjour et bienvenue sur Univers Simu. Dans cette vidéo, on va regarder un petit peu de plus près le mode multijoueur de Railway Empire 2. On s'est lancé dans l'aventure à 3 hier sur Twitch. Je vous rappelle quand même que le mode multijoueur, c'est 4 personnes maximum. Ce que je vous propose, c'est de mettre la rediff Twitch intégrale. Ça dure 3h30. Vous êtes bien sûr pas obligé de tout regarder, c'est normal, c'est un peu long. Mais faut savoir que pendant ces 3h30, on s'est fait la campagne numéro 2, donc celle qui nous emmène en Angleterre, intégralement à 3, en 3h30. Je vous rappelle quand même que la campagne 1, on était sur pas loin de 10 heures en solo, donc c'est vrai que ça va beaucoup plus vite quand on est en multijoueur. Et pendant ces 3h30, on a pu éplucher et décortiquer quasiment toutes les fonctionnalités possibles en multijoueur. Donc si vraiment vous êtes intéressé par le multi, pourquoi pas regarder l'intégralité de la vidéo. Si vous voulez juste voir un petit peu comment ça marche, vous pouvez regarder quelques extraits par-ci par-là, et vous allez voir que ça marche plutôt bien, et on s'est quand même bien fait plaisir à 3 dessus. Petit bonus, dans le mode multijoueur, on peut également mettre les autres joueurs, ceux qui viennent avec vous, en mode spectateur, c'est-à-dire qu'ils peuvent juste regarder tout ce que vous faites, mais sans pouvoir interagir. Ça a été le cas de Vincent hier, qui n'a pas encore pu commencer le jeu, donc il est juste venu voir, on l'a mis en mode spectateur, il avait notre partie sur son écran, mais il pouvait pas venir faire des interactions, créer des nouvelles voies, des nouvelles gares, tout ça, tout ça. Allez, je vous laisse regarder la rediff tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est dans l'espace commentaire. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur Discord, on est assez actifs sur le jeu. Je pense d'ailleurs qu'on refera quelques streams sur les 3 campagnes restantes la semaine prochaine sur Twitch, si vous voulez voir un petit peu plus avant éventuellement d'acheter le jeu. Je vous rappelle que jusqu'à début juillet, il me semble, on l'a jusqu'à à moins 19% sur Games Planet avec le code Simurail. Pensez-y. Allez, bon visionnage. Il est 30 pile, c'est le bon moment pour commencer. Bonsoir tout le monde et bonsoir. Alors, on a du monde ce soir avec nous sur Discord. On a monsieur Kevin qui ne sera pas joueur ce soir. On a notre aiguilleur en chef, Fafa. Va-t-il être performant sur Railway Empire 2? On va voir. On a The Flugger, Monsieur Flo, qui est joueur et qui s'est déjà bien torché une grosse partie de la campagne. Donc tu vas nous être d'une aide précieuse ce soir. Et on a Monsieur Vincent qui n'a pas joué encore. Bonsoir. Pas fait de tuto. Je découvre avec vous, ouais. Tout à fait. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que le mode multijoueur, on vient de le découvrir, on a lancé la partie il y a 5 minutes. Et on a un mode spectateur, donc on va mettre Vincent en spectateur. Et ben je vais lancer la partie, on y va direct, on va être sur la campagne numéro 2. Merci S-Fred pour ton... Ah, c'est l'anniversaire d'S-Fred. S-Fred, 12e mois d'abonnement. Merci, bon anniversaire S-Fred. Allez, je vais mettre nouvelle partie et on va aller, hop, si ça veut bien se lancer, dans campagne. Alors j'ai fait la campagne numéro 1, honte à moi, je l'ai pas terminé en live. Mais j'étais tellement pris dans le jeu, il est tellement bien ce jeu que... Bah, j'ai fait ça ce week-end. Donc on va attaquer direct sur la 2. Alors, que nous dit la 2? Alors déjà, elle nous emmène en Angleterre. La Railway Mania a créé un chaos de petites lignes de chemin de fer en Grande-Bretagne, mais à Londres, une nouvelle entreprise sort du haut. Reprenez la London and c'est quoi? Northwestern Railway et harmonisez le patchwork des voies. Oh, c'est Fafa qui va faire ça. Sous la direction du capitaine Mark Wish devenait la plus grande entreprise publique du Royaume-Uni. Allez, on est parti là-dessus. Tac. Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne? Est-ce que quand je prends un personnage, on a tous le même statut ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez lancé la partie en multijoueur tout à l'heure? Tu peux pas choisir. Alors. Et même toi là, tu pourras pas choisir, non? Ah bah attends. Ah oui. En campagne, tu peux pas choisir. En campagne, si, quand tu l'as refait, tu peux choisir. Mais sur la première, tu peux pas. Donc on a qui du coup? On a l'ingénieur. Alors que l'ingénieur, qu'est-ce qu'il nous fait? Moins 20% en coût pour les voies, les tunnels et les ponts, ce qui est pas trop mal. Des besoins de maintenance qui sont réduits de 10%, c'est pas mal aussi. Et le bonus des trains express, par contre, passe de 10 à 5%. Bon, c'est pas très grave. Ça va, c'est un bon personnage. Adrien, sur FS23, on peut ouvrir la porte des animaux, c'est trop bien. Oui, mais les animaux sortent pas. J'ai même pas vu qu'on pouvait ouvrir la porte des animaux. Bon, niveau de difficulté, je suppose qu'on peut rien toucher. De toute façon, dans la première campagne, non. Il y a que le nom du gars, Diesel, nous dit qu'on peut changer. Ok, bon, Diesel, tu as joué en multi, toi? Ou tu vas découvrir ça avec nous? On va voir. Moi, je vais limite me tourner les pouces ce soir.
Alors, être un concurrent et pouvoir investir. J'avais invité les opérateurs sur tes réseaux. Ouais, mais je suis super content d'avoir un jeu en coopératif. J'en ai marre de la guéguerre en fait dans les jeux. Je suis content d'avoir des potes pour jouer avec moi. Des personnes comme lui avaient déjà aidé à regrouper des. Bon, on passe l'intro ou vous voulez dire un petit peu énorme potentiel. C'est quoi? Qu'est-ce que ça raconte, Flo, l'intro? Rien de spécial? La même chose que t'as lu avant. Ouais, on nous envoie, ça nous présente un peu la map. Des années 1840. Alors, est-ce que c'est les vraies histoires? Je pense que oui, non? Hein, oui, tout à fait. En fait, Clyde Bern nous expliquait par exemple que sur la campagne française, c'est la vraie histoire. Dans presque c'est bien. Du réseau. Parce que de la je trouve manière, ça intéressant la création du réseau. Le transport de marchandises sur de longues distances coûtait énormément d'argent. Que ça a fait. Alors Philippe, lui, il a dans sa vidéo, la première vidéo qu'il a fait, il montrait pas la campagne, je crois. Il avait, j'ai vu qu'il était direct en France, donc je sais pas ce qu'il avait fait. Il devait être en mode scénario, je pense. Partie libre. Pas si Bruno, t'as déjà fait des guerres en cul-de-sac dans le jeu? Non. Je trouve que c'est quand même pas facile à gérer parce que les trains se croisent. J'essaye toujours de faire des boucles. Et je te dis, là, je joue. Comment la ville là qui était au début de la partie rouge sur la campagne. Salut Aiske, salut tous ceux qui arrivent dans le chat là. Excusez-moi, je suis un peu concentré à essayer de lire. Je me suis mis en mode bac à sable, moi, Flo, et j'ai essayé plein de stratégies. Et j'ai essayé la strat, tu sais, qu'on avait dit, c'est-à-dire de faire des gares tampons. Avec plein d'entrepôts et ensuite raccorder les différentes villes sur les gares pour aller se fournir. Ça marche, mais c'est très coûteux. Mais ça marche très bien et c'est très facile à gérer du coup. Alors normalement les gars, vous devriez pouvoir me rejoindre. J'ai ouvert tout. Donc le code c'est toujours le même UQDCDLL. Donc je vois Flo qui arrive. Franchement le multi RAS hein. Je l'ai posté normalement, Vincent, le code, si tu veux ouais. Et donc Vincent doit pouvoir venir. Ouais, il fallait actualiser. Ah, donc là, je vois Vincent. Et Vincent, je vais pouvoir le mettre en spectateur. À moins que tu veuilles jouer avec nous, Vincent, directement. C'est comme tu veux. Non, spectateur, ça me va très bien. Bah, tu nous feras ton retour quand même sur le mode spectateur, ce que ça fait pour toi. Ou est-ce que t'es juste en... D'avoir un retour, ouais, tout à fait. Ouais, c'est bien. Donc là concrètement vous êtes connecté. Ah Sombrecir, salut, ça va? 14e mois d'abo, merci beaucoup. Longtemps qu'on t'a pas vu. Donc là vous pouvez faire quoi vous en fait? Vous êtes sur une partie standard. Est-ce que vous voyez par exemple quand je clique j'essaye de créer un truc? Vas-y, crée une voix. On va voir si on la voit dans la liste des planificateurs. Le fait d'avoir un planificateur à 5 voix possibles, c'est tellement bien je trouve. Bah attends, j'ai peut-être regardé quand même... Attends, faut qu'on me présente un peu. On est où là? On est en Angleterre. On a... nous, on a que les voies blanches. Et on a deux concurrents, c'est ça? On a... bah non, même pas en fait. Il y a des lignes ferroviaires privées aussi sur cette map. Et donc, plus tard dans le gameplay, tu pourras racheter les lignes ferroviaires privées. Sans faire de... Ouais, alors je l'ai fait dans la campagne 1. J'ai racheté Barty Chilo, là. Qu'on voit... Ça, c'est un concurrent. Mais il y a des lignes ferroviaires privées en plus. D'accord. Bah, j'avais racheté le concurrent. Moi. Racheter sur cette campagne-ci. Ok, donc là on a trois concurrents donc qui sont affichés avec des couleurs différentes. Et je pense que les privés c'est quoi? C'est des grises gris foncé. C'est. Ouais, celle-là c'est une privée par exemple. Si tu cliques dessus, il va t'indiquer de toute façon. Les voies privées ne peuvent pas être rattachées pour le moment. Ok. Donc et ensuite on a les autres. Alors c'est quoi nos objectifs? Transporter 60 passagers non-stop de Londres à Liverpool. Ok. Veuillez noter que le Captain Wish a établi des délais plus serrés que notre dernier conseiller. Ok. Ensuite, reliez 3 entreprises rurales à votre réseau ferroviaire. 3 entreprises rurales. Alors, nous, on a la ligne... elle est grande, notre ligne. Elle est énorme. Oui, on a une grande ligne en sens unique, en plus. On a une super grande ligne. Sens unique. On va peut-être changer... Un sens unique en voie unique plutôt, pardon. Ah bah on va peut-être changer ça, non? On peut la doubler, mais... Tu veux... On fait ça? Ouais, c'est coupé en deux à Birmingham. Ouais, il faut relier en plus. C'est deux gares, il y a deux gares dans la ville. Est-ce que tu veux déjà que j'en fasse une qui va de Londres à Birmingham?
Je vois que t'es sur la première, la deuxième voie, la deuxième planification. En voie parallèle. La première, tu vois ce que j'avais planifié ? Non. Toi, la planification, t'es en 2. Moi, je suis en 1. Ah oui, planification de voie 2 sur 5, c'est ça ? J'ai planifié à Londres. Repasse sur le 1 pour voir. Ah, je peux pas. Là, si tu vas à Londres, je peux pas, je la vois pas en fait. Ah. En fait, on le bloque, mais tu la vois pas. Ouais, c'est ça. C'est dommage. Alors. Donc là, moi, j'ai créé une voie parallèle qui va de Londres à Birmingham. Est-ce que vous la voyez ? Donc normalement, elle a dû apparaître. Maintenant, oui. Ah ouais, elle est c'est bon. Donc là, je vais faire un grid de gare. Et peut-être qu'on peut essayer de rejoindre les deux gares, non ? En sortie de Birmingham 2. Et bah, si vous pouvez voir le stream, mais faire un truc qui fait un truc un peu... Non, moi je pense qu'il faudrait peut-être plutôt couper la voie et la relier directement à la gare que tu viens de faire. Ça sert à rien d'avoir deux gares, je pense. Ouais, deux gares, je pense que ça sert à rien. Tu veux détruire la gare ? Ouais. Ouais, tu vas gagner de l'argent. Bah allez, allez-y, je vous laisse, parce que moi je voudrais voir un petit peu ce que ça fait aussi quand vous faites des trucs. Je suis en train de construire une voie à Manchester. Vas-y, Fafa, fais-lui sa fête, fais ce que tu voulais faire là, relier la gare, relier des voies, vas-y. D'ailleurs, est-ce que vous avez trouvé un moyen d'éditer les voies une fois qu'elles sont créées ? Est-ce que tu sais que si tu en mode démolition, tu vas en mode démolition et tu fais mage et t'appuies sur la voie, ça va mettre un petit point. Ah yes ! Je savais pas ça. Super pratique. Salut à Captain Strange. Par contre, Flo. Y a un petit délai qu'on veut construire. Ah peut-être, ouais. Ah, ça te met une notif comme quoi j'ai construit quelque chose. Ouais, et là ça me met que Fafa est en train de construire et je vois la voie qui se construit. Nickel. Salut Fred, Nico, Romux, tous les gens. Alors, c'est bien, on récupère de l'argent en plus. Oh putain, il a grandi. Flo a construit grille de gare. Alors, ça met une notif, mais après, ça me marque pas où en fait. Je suis au nord. D'accord, toi, tu travailles plutôt sur Liverpool. Ouais. Ok. Il y a un petit délai quand on veut faire quelque chose. Ok. Relier. Ah non, attends. Donc, relier 30 passagers non-stop de Londres à Liverpool. Ok, Londres-Liverpool. Ben, déjà, je vais faire un. On va. Il faudrait faire les voies en double, je pense. Aller-retour, non ? Pour pouvoir mettre un express dessus, non ? Bah, si tu veux, on le fait. Et toi, tu vas relier les trucs autour ? Je vais relier des trucs de campagne ? Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Construction de voie. Il y a Fafa qui va de relier ce que je faisais. Ah. Vas-y. Je regarde un petit peu ce qu'on a en truc de... On a du bovin ici. Ok. J'ai presque envie de faire un truc un peu comme ça pour voir. Ok, attends, on va déjà créer une gare. T'es à quel niveau toi, Bruno ? Je suis sur la ferme bovine au nord... Ouais, au nord-est de... Nord-ouest, pardon, de Birmingham. Okay. Je vais essayer de la raccorder, mais... Il y a un truc qui va pas être trop évident. C'est que... Attends. Ouais. Il y a un truc qui va être un peu chiant, mais c'est pas très grave, en fait. Pourquoi il veut pas ? Ah, à moins que... On peut pas entrecouper. On peut pas passer par-dessus une voie ? Si tu peux, mais c'est chiant. Parce que tu dois passer au-dessus ou en dessous. Et donc ça va te coûter un pont. Bah ouais, mais là il refuse carrément en fait. C'est parce que t'arrives pas à faire les pentes ? Ah non, ça y est. Ah non, elle me coûte pas trop cher. Hein. Franchement, je suis. Non, je suis surpris, elle coûte pas cher. C'est étonnant, mais quand même. C'est un petit pont, un tout petit pont. Je vais la faire. Est-ce que vous avez pris comme habitude vous de mettre des postes de maintenance systématiques sur les gares ? Pas forcément, moi j'en mets sur les petites gares. Ouais ? Bruno, donne-moi des points quasiment quoi. J'aime bien mettre d'autres choses dans les grandes villes. Ah oui, c'est vrai, exact, j'ai tourné ma caméra, ouais. Ok, ouais, c'est vrai. Je suis toujours perdu moi avec le nord donc ouais, il faut regarder, excuse-moi en fait c'est sous ma tête là il y a un PDA
et on voit la flèche en fait, on voit ma direction de caméra. Donc là je pointe vers le nord. Bien vu Diesel. J'ai la même technique, j'ai viré tous les doubles, ok. Alors est-ce que j'ai fait le grille de gare ici? Non. Ok. Moi je vais mettre un poste de maintenance quand même à Birmingham. Je sais pas si vous l'avez fait mais... Parce qu'en fait... Il faudra au moins sur la ligne de toute façon. Bah c'est ça. Donc je mets un dépôt. Moi j'aurais tendance à faire sur les gares qui sont aussi en tête de ligne. Ouais mais là c'est pas une gare où ça va passer beaucoup. Fafa, c'est une gare où il y a des... Je vais juste chercher des bovins en fait pour les emmener à Birmingham. Eh ben. Je pense... Vous avez déjà relié des trucs vous? Ah attends merde, j'ai pas fait le sens des voix. Pareil, c'est quoi votre stratégie au niveau des sens de circulation? Est-ce que vous les faites manuellement ou vous laissez le jeu faire? Moi je les fais toutes manuellement. Ouais, oui. Pareil, ouais. Mais par contre, il faut qu'on se mette d'accord. Moi toujours à gauche. Toujours. Tu avances sur la voie de gauche. Alors, dans quel sens? Dans quel sens? C'est simple, tu roules à gauche, c'est tout. Qu'est-ce qui nous envoie, monsieur? Comme dirait Clyde Bern, on roule comme en France. C'est ça. Et tant pis pour l'Alsace. D'accord, hop. Voilà. Ça okay, va, on va faire comme ça. Ouais, c'est parti alors. Dans l'autre sens, Bruno. Bah non. Bah si. Si, toi tu roules à droite là. Ouais, eh ben. Tu veux c'est comme en voiture. L'inverse des voitures. D'accord. J'avais compris que vous disiez comme en voiture. Toc. Ah bah attends, du coup... Celle-là, elle est bonne. Non, celle-là, elle est bonne. Celle-là, est pas bonne. Celle-là, ouais, l'autre est pas bonne. Ok. Donc là, on est bon. Donc là, je vais pouvoir refaire une voie. Ok. Créer une ligne qui va de là à là. Est-ce que quelqu'un a créé une ligne de train sur la voie principale? Non, pas encore. Je partais ramener le sucre à Liverpool. Ok, ça marche. Je ramène de la viande à Birmingham et je la mets en entrepôt. Je l'ai fait en sens unique, moi, Fafa, pour l'instant. Ouais, qu'on voit sur le grid. Putain, on a des belles... On est en quelle année, là? Ah, on est en 1845. Parce que là, Les campagnes avancent au fur et à mesure, tu ne te génial. Jamais dans le temps. C'est génial. Ah ouais, on a déjà une belle... on a déjà des beaux trucs, quoi. Fais un train de Londres à Liverpool? Vas-y, fais. Tu le fais en passager? Ou en mix, comme... C'est Sharon. Comme tu veux. Par contre... Allez, j'emmène la viande ici, et hop. Dans les paramètres, vous avez défini, votre ligne ferroviaire ne peut effectuer aucune action à la gare. Quoi? Mixed ou express? Pourquoi elle peut faire aucune action? Je comprends pas là. Mix, tu dis, papa? Oh, je sais pas, moi des fois j'ai des messages comme quoi, et comme ça ça peut faire aucune action ni rien, et. Là je comprends pas du tout en fait pourquoi il me dit ça. Parce que là, je veux l'emmener de là à là. Avec un train en. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe, okay. Bah j'ai un message. N'est pas d'arrêt inutile. Bah attends, j'envoie quand même, juste pour voir s'il me déploie ou pas, mais. T'as fait quoi comme ligne? J'ai fait Gallagher, Birmingham. Les sens sont bons et normalement il aurait dû m'envoyer des bovins. Parce que Birmingham utilise pas de vaches. Et donc du coup il se dit merde, qu'est-ce que je vais faire avec des vaches? Ah oui, non mais attends, je vais les stocker les vaches. Je vais les mettre en entrepôt. T'as pas d'entrepôt pour l'instant, ah bah attends, je le fais. D'accord. Alors attends, je le fais tout de suite. Ah, le jeu réfléchi est bien foutu. Hein. Ouais. Il y a pas comme ça. Mais... Je vais aller chercher le maïs à côté de Londres. Vas-y, je gère par l'entrepôt. Contre, vous avez vu les sous? Hein? Vous avez vu les sous? Ouais. Comment on gère le temps d'ailleurs, la vitesse du jeu? Je sais pas si c'est moi qui fais le maître du jeu ou pas. Si je mets en x3 là, vous le voyez en x3 ou pas? Là ça vient de passer, ouais. En x3, ouais. D'accord. Je laisse en x1 pour l'instant. Par contre si on clique, nous ça fait rien. D'accord. Ah ouais, ça fait rien, ça on clique. Allez, je mets des vaches.
Alors il nous met quoi là? Ok, donc là il est parti à vide. Putain, mais il carbure les trains. La vache. Rapport ah bah... à... Ah, 1845, ça y va bien. Hein. Est-ce qu'on mettrait à Liverpool un dépôt de maintenance? Oui, moi je suis pour les dépôts de maintenance, hein. J'en fous partout de toute façon dans toutes les gares. Comme ça j'ai jamais d'emmerde. Et n'oubliez pas de mettre les... Quand vous faites des voies, n'oubliez pas de mettre de l'eau. Ouais, j'ai pas encore mis non plus moi. Parce que ça c'est un truc, quand t'as des pannes qui arrivent, des pannes de flotte... Oups. Si tu veux j'en mets quelques-unes entre Londres et Birmingham. Ah, au moins une quoi. Ramène du sucre à Liverpool. Ok. Par contre, le sucre il va râler parce que t'auras. Parce qu'on en a pas besoin tout de suite, mais c'est pas grave. Bah si. Non, le sucre c'est une ressource évoluée. Je sais pas, non, bah non, tu. Regarde Liverpool. Ils demandent. Ah ouais, ils sont à 0,2. Et ah ouais. Je crois que Manchester, ce que j'ai regardé avant dans le Manchester, c'est pareil, ils en demandent 0,2. Ah bah chouette, go. Et tu vois, quand. La stratégie en fait, Flo, de mettre des gares avec des entrepôts, bah c'est ça qui est bien en fait. Une ville te demande un truc, hop, tu fais la liaison, tu crées la voie et hop. Tenez la voie. Il va nous en falloir un entrepôt à Liverpool. Vu qu'on vient de relier plusieurs ressources là-haut. En Oxford. Mais alors... est-ce que ça fonctionne pas aussi sans entrepôt? Ce que Bruno disait ce matin. Ouais, alors ça fonctionne quand tu fais ça en fait, Fafa. Regarde, par exemple, tu peux demander à un train de faire un trajet qui fait Londres, Gallagher. Là, ça va pas le faire parce qu'ils sont pas reliés, mais Londres, Gallagher, Birmingham. Et ben, il va charger automatiquement du bétail à Gallagher s'il a de la place, et il le déchargera à Birmingham s'ils sont demandeurs. Ouais, mais il va pas faire de changement de train. Non, c'est juste un arrêt en fait. L'entrepôt, c'est juste. Bah, c'est un stock en fait. C'est qu'en fait, quand tu mets une gare en entrepôt, elle devient fournisseur en fait. Ouais, c'est-à-dire, par exemple, le sucre qui arrive à Liverpool, là, même si tu remets un train qui fait Liverpool-Manchester. Eh ben, il peut livrer du sucre. Non. Vu que Liverpool a pas d'entrepôt, il peut. Non, Bigood. 4 maximum dessus. Ce jeu est terrible. Liverpool, après, effectivement, ça fonctionne. Ce jeu, il est ouf, ce jeu. Et du coup, tu vois, là, on regarde, en fait, on est en train de voir, Philippe, si le multijoueur. Et en fait, c'est génial parce que... Bah, moi, je me tourne les pouces, hein, depuis tout à l'heure. Je regarde un petit peu, mais heureusement qu'on est en vocal, qu'on se dit, bah tiens, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Mais il faut essayer de retenir un petit peu, quand même. Mais c'est cool d'avoir le multi, en fait. Je pense à 16, ce serait peut-être un peu trop. 16 sur ma connexion 4G, en plus, ce serait compliqué, ouais. J'allais dire, il y a des grandes cartes après. C'est vrai que si tu te mets en Amérique carte complète, 16 ça peut être pas mal. C'est surtout un sacré budget pour 16 personnes. Ouais, peut-être un peu. Ouais. Guest star, il nous met. Oui, nous avons Clé de Berne avec nous. On a du monde du ferroviaire. On a Philippe avec nous qui est sur le chat. Et on a Fafa quand même. Hein. Fafa qui ne devrait pas louper normalement tout ce qui est aiguillage aujourd'hui. Là, on te surveille, hein, Fafa. Hein. Tu peux pas nous faire un... Tu peux pas nous foirer un aiguillage, c'est pas possible. Et on peut même pas les commander dans le jeu, c'est même pas drôle. Non. Petite panne, qu'est-ce que c'est que ces trains qui tombent en panne, là, bordel? Vous avez mis de l'eau? Est-ce que vous... Non, moi, vous avez... Mis. Non, attends. Non, mais là, quand c'est une panne, c'est une panne. C'est pas ressource manquante. Là, il a de la flotte, hein, celui-là. Par contre, en effet, il y a pas d'eau. On va peut-être mettre de l'eau. Si, il y a de l'eau. Ah si, il y a de l'eau, il a mis de l'eau ici. D'accord. Discrètement. Ouais, pourquoi pas, ouais. Est-ce que vous avez mis un poste de à Manchester, un poste de maintenance? Moi, je suis un foufou, hein, sur les postes de maintenance, j'en fous à toutes les gares. Ouais, je vraiment. Vais en foutre un à Londres, faites gaffe. Ouais, là, je suis au chaud. J'en mets un. 76 000. Dites rien. Oui, j'ai dépensé sans compter. Oh putain, on a plus de thunes. Est-ce que l'un de vous a fait le trajet Londres-Liverpool pour les passagers? Oui. Oui, il est fait. 23 sur 60, ok, bah y'a plus qu'à attendre un petit peu que ça avance. Vous voulez que je mette un accéléré ou... Vas-y, à fond les balais. Allez hop, c'est parti, on accélère. On a plus d'argent. Y'a combien de trains sur la liaison? Je sais pas. J'en ai mis 3 je crois. Qui c'est qui demande si on gère... Attends,
pour ceux qui sont passés plusieurs niveaux, on est toujours bloqué à deux extensions dans les gares. Oui, deux extensions. Oui, 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 oui. C'est pour ça, moi je fous tout le temps le dépôt de maintenance. Et après, soit je mets l'entrepôt, soit je mets l'hôtel. Je peux pas renommer les lignes ferroviaires. Trop nul. Non. On a validé ou pas là? Non, toujours pas. 30 sur 60. Bon, on va laisser faire un peu. On aurait peut-être pu mettre deux bateaux. Oui, Bruno, bien sûr. Deux trains, non? En fonction de la demande. Et pour faire quoi? Quelle ligne? Le Liverpool-Londres. Il y en a trois. Off! Autant pour moi. Ok, un beau bazar, ouais. C'est une grande ligne comme ça, j'en ai mis plusieurs directs. Tu fais bien. Ce que je trouve quand même vachement chouette dans le jeu, c'est qu'il réorganise les villes tout le temps. Dès que tu fais quelque chose, il réorganise la ville. Ouais, il est vachement bien brandé pour ça, hein. C'est assez fou. Hein. T'as dû mettre Steve, oh bordel, 21 mois d'abonnement. Un des premiers contributeurs de la chaîne, merci Maître Steve pour ton prime. Vous utilisez la vue courbe de niveau? Jamais. J'ai moi, utilisé... encore bien pour faire des lignes un peu comme ça. Ouais, mais toi t'es dans l'architecture, donc ça t'intéresse. Allez, moi ça m'intéresse pas. Tellement dans farming de pas avoir les courbes de niveau. Perso, je mets maintenant c'est entrepôt, bah voilà, on est pareil là-dessus. Et en fait, la campagne 1, pour l'instant j'ai fait que la campagne 1, Philippe, et ça a été une galère, enfin une galère. À la fin, je t'avoue que je me tirais un peu les chevaux parce que j'avais mis des cheveux, le peu de cheveux qui me reste. Le problème, c'est que les entrepôts, on est limité à 6 catégories de consommables dans les entrepôts. Et il y avait de la demande de partout, je savais. Donc j'en levais un petit peu à droite, j'en remettais à gauche, c'était le bordel. Mais ça, c'est passé. Ah, merci Vincent d'abonner Clé de Berne. Tu pourras regarder le stream sans pub. Faudrait que tu viennes plus souvent, Philippe, parce que je pense que ce jeu-là, on va le streamer un petit peu quand même. J'aimerais bien qu'il affiche un peu en avance un peu les objectifs. Même si tu peux pas les valider, tu sais, de savoir un petit peu à quoi t'en tenir. Parce que là. Les objectifs suivants. Bah oui, toi, tu les as déjà fait. Regarde, là on est 3. Ouais. On est 3 sur la partie et je suis là en train d'attendre qu'il y ait 60 passagers qui partent de Londres pour aller à Liverpool. C'est long. Ah, je t'avais prévenu hein, qu'on allait devoir. C'est vachement long, ouais. C'est vachement long. Je sais pas si on peut prendre les devants, peut-être faire grandir les villes. En tout cas, je peux te dire qu'il y avait des... Les pommes vont être utiles à un moment. Ouais, Londres, je suppose qu'il faut faire grandir Londres. Il va falloir faire grandir Londres énormément. Bon, vas-y, on va faire grandir Londres un peu. C'est quoi la demande? Il va falloir qu'on va en avoir besoin. Londres demande du bois. Allez, vas-y. Où est-ce qu'il y a du bois ici? Ah, il n'y a pas de bois! Il n'y a pas de bois. Oh non, si, il y a du bois. Ah oui, mais non. 150 000. Ah, mais on peut le prendre en fait. Ah, tu refais une guerre à côté. C'est que 150 000. Bah vas-y, achète. T'es dessus là? Vas-y, fais-le. Ah non. Mais attends, où est-ce que tu vois ça, 150 000? Attends, on doit pas être dans la même zone. Non. Moi je parle de Bristol. La zone de Bristol. Alors c'est pas ici, c'est où Bristol? Bristol, bois. Bristol, ah ouais, ah bah vas-y. T'as dit quoi, Kéline? Ça marche en chaussure, Bristol. Bah, j'aurais pensé plutôt au papier, moi, la fiche Bristol, non? Non, c'est vraiment le marchand de chaussures qui me vient. D'accord. Bon, du coup, Bristol, là, cette ligne-là, on peut pas parce que c'est au concurrent. Donc, c'est pas grave, on va faire une gare. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme gare? Est-ce qu'on ferait pas une gare qui fait le bois, le coton? Coton ou laine? Non, laine. Le bois, la laine, voire même le bois, la laine et les produits laitiers et qui dégage à Londres. Autant optimiser un peu le trajet, non? On peut faire ça. Allez, on y va. Je fais une gare. Par contre, est-ce que je vais avoir assez pour la gare là? Ouais, alors, j'ai assez pour la gare. 46 000, non? Ouais, j'ai assez pour la gare. Par contre, je vais pas avoir assez pour les voies. Il va falloir qu'on attende un petit peu de gagner de l'argent. Ouais, je crois que le temps que tu construis, ça va le faire, non? Et j'ai toujours... Ah, t'es cassé, acheter le jeu. Et tu fais une gare fais une ligne en sens unique, hein, Bruno? Ça coûtera moins cher. Et pour commencer. J'ai tellement pas pris l'habitude de jouer comme ça. Ah moi si toujours parce que ça coûte tellement cher les quais supplémentaires. C'est 50 000 là un quai supplémentaire. C'est 50 000 d'un quai supplémentaire. C'est vrai qu'au début ça met du temps quand même à avoir de l'argent. Bon attends, je vais mettre ma deuxième gare quand même. Et si tu regardes, c'est ce qu'on a fait. C'est bon, c'est parti. Oh putain. C'est parti. Ton train au sucre il tourne à vide. Je vois que vous avez créé un réseau cohérent à partir de tout ce fatras absurde.
Au moins, vous n'avez pas déçu les attentes initiales. Ah, parce que... Maintenant, n'imaginez pas que vous allez vous reposer sur vos lauriers. Ouais, c'est que du coup, on pourrait faire un entrepôt et que ça le redistribue. Et ouais, l'entrepôt, il va falloir qu'on y passe. C'est cassé qui... Ah non, putain, j'ai cru t'es cassé, que t'étais en train de parler, je vois coupure 4G, tu sais, je me dis, ah, quoi, j'étais en train de regarder partout, quoi, la 4G a coupé. Non, pas ce soir, pas encore. Ça va venir, t'inquiète pas. Je vais aller à Dover, moi, si vous voulez bien. Bon, alors du coup, il va falloir que je fasse une ligne qui part de là, et tu me dis de mettre un quai, ouais, mais je... Bah si, je peux aller là en fait. Je peux aller là, mais on va faire un tout petit pont. Hop. Pourquoi il veut pas? Ah si. J'ai besoin de 50. Ta gare, sinon tu peux pas. J'ai besoin de 59 000, les gars. Oui. Vous pouvez me prêter un peu. Vous pouvez me prêter si je veux un tout petit pont. J'ai pas un tout petit pont. Est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent, s'il vous plaît? Et en... Attends... Par contre, t'as repris sur une voie où il y a déjà des trains qui arrivent. J'ai pas compris, Fafa. 500 000 de dispo. Non, 50 000. Non, mais il y a 500 000 de dispo dans le crédit, je te dis. On peut faire des crédits dans le jeu? Bah oui. J'ai jamais... Le petit chapeau. J'ai jamais fait. Le chapeau, il va avoir les dents d'onglet. Ah non, j'ai pas envie de prêter, j'ai pas envie de prendre de l'argent. Oh... Ah bah non. Bruno, il y a joué au jeu. Tu peux émettre des obligations. Ah mais non, mais alors ça je... Quand j'ai fait la présentation du jeu, c'est le premier truc que j'ai dit, il y a un onglet qui va pas me plaire et je vais laisser les autres quand on va être en multi pour y jouer, ça va être tout ce qui est gestion financière. Faut bien cogiter au sens des gares de façon... Ouais. Et ouais, mais là regarde, je voulais en fait passer là, et là je vais être obligé de faire croiser des gares, de faire un tout petit... Enfin, de croiser des voies, un tout petit pont là par-dessus pour pouvoir aller reprendre Russell Terminus en haut. Comme ça, je vais faire un trajet qui va amener des matières premières à Londres. Et Londres va grandir naturellement. Bon, je peux construire ma voie ou pas, les gars? Vous avez besoin d'argent? Allez. Ouf. Je suis en train de préparer pour en dépenser aussi. Direction. Non, c'est pas direction, c'est nouvelle voie. Tac. Bah, ce qui serait pas mal, bah, c'est l'entrepôt à Liverpool, mais bon, 133 000. Ouais, c'est cher les entrepôts. Liverpool et Londres aussi, il va en falloir un parce qu'on ramène plein de ressources. Oui. On n'a pas encore d'usine de planches, je crois. Non. J'ai besoin de 76 000, les gars. Ouais. Je peux pas. Ah non, attends, j'ai un petit. Non. Bon, je peux le dépasser celui-là. Ouf. Je suis en train de chercher pour économiser, mais moi j'ai besoin de 103 000. Oh la vache. J'aime pas quand il fait de la merde comme ça. C'est pas facile hein, de passer les voies. Ah, des fois il veut pas, il a du mal là. Non. Ah punaise. Faut que tu les resupprimes et que t'en remettes un décalé. Attends. Je vais essayer de lever un peu là, mais... Ah oh, mais là, attends, là, c'est en train de partir dans des montants. Vous avez 500 000 euros, les gars? 500 000 livres, pardon. Moi, bon, je vais démolir. Ça me fait penser. Hein? L'IA, elle fait un truc hyper chelou. J'avais pas remarqué, l'IA construit des voies pendant qu'on bosse, en fait. Parce qu'il avait fait un viaduc énorme à travers l'eau, en bas, pour contourner Dover. Attends, je vais essayer de faire un truc... à peu près droit par-dessus, comme ça. Ah, il veut pas, hein. Il veut pas. Tu peux construire ou pas? Ouais, vas-y, construis, parce que... 3000 à moi, quand même. Moi, je sais pas si je vais réussir, hein. Attends. Bref. À mon avis, elle va coûter cher, celle-là. Tu peux pas prendre un meilleur trajet, Bruno? T'es où, là? Bah, je suis en bas, là. Les ponts, ça coûte cher, hein. Je sais, mais... T'es où? Ah, tu dois aller là-bas. Bah, y a un pont. Y a un pont. Après, si, y a une autre solution. Forest, ce sera moins cher. Ah non, de toute façon, y a aussi une voie à couper. Non, elle est à Londres. Va à Londres. De partir de Gallagher-Gare. Mais bon, après, il faut les entrepôts. Non, mais en fait, là, j'ai voulu optimiser en prenant du lait et du coton tout de suite. Comme ça, c'est fait, mais. Sinon, tu peux vas faire... à Londres direct sans.
Ouais, ouais, regarde la différence de prix si tu relis Londres en direct, comme ça tu passes pas au-dessus de l'autre voie. Attends, parce qu'il me reste sur la planification. Ouais. Non, c'est bon. Non, je me mets sur la planification 4. J'ai demandé de faire un trajet pour direct vers là. Ouais. Ah non, il me fait un truc. C'est quoi ce zigouigoui? Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça y est. Je suis à 122 000 là pour le direct. Moi j'ai encore dépensé dans le 7 000. Mais franchement, j'aime autant faire la 1. Elle me coûte 80. Il me manque 95 000. 95 000 et adjugé, on peut amener du bois et du coton et du lait à Londres. Est-ce que j'ai fané mon foin? Non, si, c'est le petit voisin qui est passé le faire cet après-midi. Je vais faire les andins peut-être jeudi, je pense. Jeudi soir. Ah putain, non, Flo! Ah, désolé. C'est la faillite. Ah non. Mais c'est pour la mission. D'accord, bon, vas-y, j'attends. Bon, tu touches pas à la planification de voie 1. C'est la bonne. Et la 4, non. Belle. Du coup, vous pouvez la voir. Vous, de votre côté, vous pouvez la voir, la 1? Non. T'es dans quel coin? Moi, je... Non, attends, la 1. Ah non, tu peux pas aller dessus? Ah, si, je vois une voie à 95 000. Ouais, c'est ça. Ah bah, c'est cool. 79 km. Bah, ouais, c'est ça. Bah, quand il y a l'argent, faudra la faire. Ouais. Moi, je vais aller faire ma voie. Si tu veux venir voir, Bruno, je suis en train de relier Dover. Alors, Dover, t'es où? C'est en dessous de l'eau. T'es en bas. Ouais, je vois un truc là, Dover. Tu fais quoi? Tu amènes de la bière à Londres? Les pubs. Dover, c'est une ville qu'on doit relier. Impeccable. Ah mais putain, il y a de nouveaux objectifs. Bah, on est en train de les remplir. Hein. Ah non, mais j'avais pas vu les tâches facultatives en fait. Voilà. Ah non, c'est là-dedans. 90% de train Dover-Londres, ok. Livrer 80 de n'importe quelle marchandise à Londres. Attends que mon bois arrive et tu vas voir. Veuillez noter que vous pouvez construire des tunnels et des ponts si la voie d'un concurrent se trouve sur votre passage. T'inquiète, on a fait quand même la campagne numéro 1. On a compris le principe quand même. Bon bah, je vais attendre tranquillement que l'argent tombe. Allez, prochaine tournée les gars, elle est pour moi. Hein. Les 95 000 là, c'est... Rums. Salut mon petit get. Bon courage pour les examens. Évite de le fumer. Non. Allez, je prends. C'est bon. Quand tu fais du simple... Attends, il est où le truc? Mais attends, elle est où ma voix que j'ai fait? Ah bah non, elle est là, putain, j'avais tourné la caméra. Quand tu fais du simple voix comme ça, il gère tout seul? Tu dois mettre juste un seul train et ça gère. Ça se fait tout seul? Il n'y a pas besoin de lui dire quoi que ce soit? D'accord, cool. Alors, on va faire du Russell, Knowles Gare et London. Ok. On va se mettre en... Bon, en mixte. Un mixte, c'est bien. Sinon, après, c'est quoi de l'express? Ok, non, un mixte. Par contre, après, c'est pareil, on a plein de points de recherche. Ah oui. Ah, j'ai besoin de 73 000. Car. Ah non! Attends, ça, c'est bon, ils arrivent. Hop là, c'est bon. Ah, il me redit encore que... Ah, il y a conflit, quoi? Le tracé de votre ligne passe par des voies autorisées dans les deux sens. Oui, mais il n'y a qu'un train, donc c'est bon. C'est ce que tu essayes de faire. Eh oui. Il va te mettre un message en tous les cas. Ok, donc je vais faire ok. Alors, tu vois, les enchères, c'est un truc que j'achète jamais. Pour les recherches, jamais. Ouais, je trouve ça hors de prix, moi. Salut, Ravageuse. Par contre, du coup, on les a aussi, les trucs. Ouais, mais achetez pas. Et les recherches. Non, mais ça... Les points de recherche, vous pouvez les gérer, vous, ou pas? Oui, hein. Oui. Bah, allez-y, faites-vous plaisir, hein, si vous voulez des trucs. Les hôtels, on a déjà. Le papier toilette, on l'a déjà. On peut avoir une nouvelle loco si vous voulez, ou division du travail. La division du travail dans les grandes entreprises et les usines permet
aux tâches individuelles d'être effectuées plus rapidement. Cela augmente les bénéfices de production de marchandises. La dernière fois, quand j'ai fait en fait la... Ouais, les enchères, c'est un peu démesuré. La dernière fois que j'ai fait la première campagne, j'ai fait quasiment toutes mes recherches sur plutôt du gain d'argent. Ça s'est plutôt bien passé. Vous avez fait comment, vous? Plutôt des trains en priorité ou... C'est pas trop... Ouais. Non, tu t'en fiches? Parce que là, je vois, par exemple, j'ai 5% sur les bénéfices de vos secteurs ruraux. J'aime bien prendre les trucs qui diminuent les pannes. Ouais. Bah écoute, on a assez, on a 680 points. Moi je veux bien prendre un truc comme ça. Ça c'est quoi? Puits central. Bon bah très bien, ravageuse louve. Et toi? Grue hydraulique. 5% sur les revenus. Sac truc postaux, non? Corruption. Ah non, moi je. Non. Allez, vas-y. Non. Usine chimique. Vous permet de construire et d'acheter des usines. Pour l'instant, non. Pièce standardisée diminue de 5% le prix des nouvelles locomotives. Non, ça m'intéresse pas. Puits central réduit de 1. Coût de construction. Ah, 5% de moins sur le coût de construction de tunnel, ça peut être bien, ça peut-être non. Ouais, ça monte assez vite dès qu'on en fait. Bah ouais, 5% c'est toujours ça de prix, non? Allez, vas-y. Ça, j'ai une question et un truc que j'ai pas compris dans le jeu. Fusionner trois réseaux ferroviaires indépendants. Attends. C'est comme former une bande de recrues indisciplinées. Ok, donc les... L'entreprise a de la chance d'avoir le capitaine Mark Yurich à son service. Attends, je remets en x1 le temps qu'on reprenne. Dans les dépôts de maintenance, la limite de maintenance, ça correspond à quoi? Je sais pas du tout. J'ai jamais regardé ce paramètre-là. Dépôt de maintenance... On peut mettre un entrepôt à Liverpool. Est-ce que je mets un entrepôt à Londres aussi pour... Pour la laine, le lait et le bois. Le siège social de l'entreprise bingo. Est situé près de London, okay. Houston. On va se mettre ça. C'est essentiel pour notre réputation que nous desservions la ville de manière adéquate. Ensemble, nous avons créé des bases solides. Ni plus, ni moins. Nos concurrents ne dorment jamais. Ne l'oubliez pas. J'ai entendu dire que la Great Western Railway se prépare à s'installer à Birmingham. Vous devez l'en empêcher. Je t'ai écœuré. Allez, maintenant on va focus sur Birmingham. Il nous faut absolument les entrepôts. Ah bah quoi, vous avez mis un entrepôt de marchandises à Birmingham? J'en ai mis un tout à l'heure. Ah, t'avais du pognon toi? Bah non. On attend depuis le début pour en mettre dans les villes aux extrémités. Ah bon? Bah non, j'ai mis qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Maintenant si vous avez besoin de bois, de bois, de laine ou de lait, vous pouvez aller ponctionner à Londres hein, si vous voulez. Hein. Il y a tout ce qu'il faut. Oui, mais on n'a pas d'entrepôt. Non, mais il y a un entrepôt à Londres. Donc tu peux faire une ligne qui fait Londres vers la ville que... Un entrepôt à Londres ? Ouais, la ligne qui fait Londres vers la ville que tu veux. Ah, moi j'avais pas vu que t'avais mis l'entrepôt à Londres. Je viens de le faire. Je viens juste de le faire. Super. Car l'entretien coûte du temps et donc de l'argent. Et le train ne rapporte pas. Ouais. Vous avez vu qu'on a passé à un niveau, hein ? On a des nouveaux objectifs. Ouais, j'ai vu ça. Enfin, j'ai pas été les voir encore. Mais ouais, Philippe, moi j'ai pas trop regardé tout ce qui était finance parce que dans la campagne 1. Je t'avoue que sur la fin, je mettais en avance rapide et le pognon tombait mais à flot quoi. C'était, j'ai pas regardé les frais de personnel, les frais d'entretien. J'ai juste dégagé quelques trajets qui étaient soit pas rentables, soit carrément à l'arrêt, ou enfin, qui faisaient du fret sans fret. Et c'est tout. Et en fait, j'ai juste rebaissé un petit peu les dépenses avec ça. Et en fait, bon, le jeu s'est géré tout seul en fait. Ça se gère plutôt bien. Alors après, peut-être que la difficulté, elle est croissante. Toi, je pense que t'as été un peu plus loin dans les campagnes. Il n'y a que 5 campagnes, on fait la deuxième. Je pense peut-être que quand on arrive sur la campagne 5, ça va être peut-être un petit peu plus dur. La troisième, je pense que c'est un peu plus compliqué. Ouais, mais tu vas voir que dans les niveaux suivants, tu vas y venir. Obligé de faire un peu de compta. Pas grave, on fera... C'est aussi pour ça qu'on fait du multi, j'aime pas la compta. Alors, tâche terminée. Atteindre 35 000 habitants à Pierre. Ça, par contre, c'est des objectifs que j'aime bien, tu vois. Parce que du coup, là, ça demande un petit peu de gestion sur les ressources. Pour faire grandir un peu les villes. Ça se fait plutôt bien. La compta, c'est mon dada. Ah, pas du tout, moi. Non, vraiment pas du tout. Je déteste ça. Alors, Birmingham, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Quelqu'un Par s'occupe... Contre, Birmingham, dans les objectifs, il faut faire un restaurant et... C'est fait. Ouais, c'est fait. Du coup, t'as enlevé l'entrepôt et le... Tout enlevé, du coup. Ah, merde.
Donc j'ai dû enlever entrepôt plus truc de réparation à Birmingham. Ils veulent du pour bois. Ils veulent du bois, du par maïs contre, et du sucre. En soi, on peut les démonter maintenant. Maintenant que l'objectif est fait. Je vais déjà emmener du bois. Je vais déjà emmener du bois. Alors du bois, normalement, on en a à Londres. Si tout va bien, l'entrepôt, il devrait en avoir. Comment on voit l'entrepôt? Je me rappelle plus. Tu cliques sur la gare. Non, allez, là, tu vas dans l'extension de la gare. Il y a du bois. Il y a du bois à Londres. On va faire une petite ligne qui fait Londres. Bon, il doit y... Attends, il y a déjà une ligne Londres-Birmingham, non? Ouais, il y a une ligne de mixte. Par contre, 3, est-ce que ça va être assez... Non. Il faudrait augmenter, mais on n'a pas l'argent. Non, les gars, il n'y a pas de ligne Londres-Birmingham. Il y a non, une... Non, mais si, mais... Il y a la ligne principale. La London-Hunston jusqu'à Dover 2. Ouais, mais il faut peut-être en faire une deuxième au centre. Non? Si tu veux, ou on met plus de trains dessus, n'importe. Pourquoi tu veux amener du bois là-bas? Pour Birmingham, pour qu'elle se développe. Théoriquement, si le train au centre fait bien son taf, il va le faire. Mais il est peut-être plein, quoi, parce qu'il est déjà bien cher. Je vais mettre un spécial fret. Okay. Je mets une petite loco. Mixte, ouais. Besoin de maintenance. Non. Ok. Le problème, c'est que si tu mets une loco trop petite, elle va rouler moins vite et du coup, tu vas freiner les trains. Là, j'en mets une à 50, là. C'est pas mal, non? Mix, tu veux un TGV ouais. ou Bah, un TGV c'est pas mal, moi je trouve. Allez, toc. Ah, mais c'est notre loco mix elle tourne déjà aussi à 50, ça va. Ah, bah c'est bon, ouais. Alors, dis-moi que tu charges du bois, toi. La ligne principale renommez les gares comme vous voulez, hein, les gars. Par contre, moi j'ai. Ah, on peut pas. C'est bloqué. Ah, c'est moi qui dois les renommer. Ouais, la ligne London-Hunston vers Dover 2, là, ça serait bien de la renommer parce que c'est notre ligne principale en fait. Tu veux l'appeler comment? Artère principale? Ouais, si tu veux. Mainline. Voilà, ouais, mais on est en Angleterre. Qu'est-ce que ça raconte sur le chat? Moi j'ai fait la stratégie contraire parce que dans les campagnes 2 et 3, les trajets sont éloignés et ça m'évitait les pannes à répétition. Ça devient un transport fever en moche. Ok, donc celle-là, c'est fait. Elle transporte du bois. Ouais, elle transporte du bois. À un moment donné. Impeccable. Et moi, j'aimerais bien retrouver la petite ligne là que je viens de faire, qui fait Londres, Birmingham. Et je comprends pas pourquoi elle transporte pas du bois. Pourquoi elle transporte pas du bois? Non, il y a du bois dans l'entrepôt. Ah, là je comprends pas, tiens. Et vous rachetez les trucs de production ou pas vous? Très rarement, quand j'ai de l'argent. J'ai beaucoup fait au début, dans ma première campagne, mais... J'ai pas trouvé que ça apportait grand chose en fait. Moi non plus. En fait, je le fais maintenant quand j'ai besoin d'upgrade une production parce qu'elle va pas assez vite. Ah, Bruno, est-ce que t'as mis de l'eau sur ta ligne Ah! Tu le fais? Ouais. Non, je vais le faire. C'est vrai que j'ai complètement... On pourrait relier Bristol derrière. J'ai complètement zappé de mettre de la flotte. Là et là. Pour information, je vois pas les lignes dont le nom a été mis à jour. En fait. Parce que la Hunston Dover 2, pour moi, elle s'affiche pas en mainline. Ah ouais, ça a pas été renommé. Là, quand je vois à la fin de la campagne 1, j'avais quasiment laissé toutes mes lignes. C'était le bordel. J'avoue. C'était le bordel. Mais bon. Et puis, des fois, j'en crée juste pour remplir un objectif et je l'oublie. Attends, elle est où celle-là? Elle est là. Russell Terminus. Ouais, elle a pas de flotte. Ouais, mais la flotte est là. La flotte devrait... Allez, un petit effort, c'est en descente. Tu pousses un peu et puis tu vas retrouver de l'eau à un moment donné. Ah, elle repart. Parfois j'ai eu ce souci aussi. Il faut que l'entrepôt déborde sur certains produits pour que l'export fonctionne. Ah ouais? J'ai pas eu de problème. En principe, quand il y avait des ressources dans un entrepôt et que tu avais une ville qui demandait, ça s'est fait plutôt bien, plutôt naturellement. Ça a jamais coincé à ce niveau-là. Mais après, faut attendre un petit peu. Je pense que
Est-ce que ça vous arrive de mettre les priorités sur les, jamais, les cargaisons à charger? Jamais. J'ai jamais fait j'ai ça. J'ai essayé, mais je sais pas. Le jeu... Allô. Non. Est-ce que c'est bon ici? Est-ce que c'est bon dans le chat? Ce doux parfum du net en 56K, c'est ça. J'ai hâte d'avoir la fibre, Philippe, si tu savais. Pour l'instant, c'est la 4G. Et la 4G, le soir, elle est un peu bancale, quoi. Elle est un peu bancale, je sais pas pourquoi. Pourquoi je peux pas me reconnecter à Discord? Est-ce que c'est revenu là? Ouais, c'est revenu ici. Bah ouais, mais j'arrive pas à me reconnecter sur Discord. Ah, ça y est. Allô. C'est bon? Bonjour. Normalement, vous devriez pouvoir vous reconnecter sans... Ouais, faut que tu l'ouvres. Ah, faut que j'ouvre. Attends. Bon, fais actualiser peut-être aussi. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. Hop. Ah non, je passe. Ah, mais un peu. Ouais, mais l'actualisation est pas automatique. Parce que moi, tout à l'heure, quand t'as ouvert la partie... Non, mais t'es en connexion en cours, là. Flo est chargé, et je vois toi et Vincent qui arrivent. Ok. Désolé pour cette petite coupure, mais bon, c'est là. Ouais, un ange passe, comme dit Zonzon. Il passe tous les soirs, en fait. Pourquoi je stream... Pardon. Pourquoi on est déconnecté le soir? J'en sais rien. Je stream 4h le matin, je stream 3h l'après-midi, à 2h cet après-midi, zéro coupure. Je stream le soir, systématiquement, ça coupe. Merci Orange. Oh, il y a de l'argent le temps qu'on soit des Kuroko. Ouais. Bon, allez, on reprend. Ce qui est bien, c'est que ça les a coupés eux, mais moi, rien du tout. On est toujours là. N'empêche que le bois n'arrive toujours pas. Et tu veux le faire arriver où? Bah, à Birmingham, de Londres. Il y en a dans l'entrepôt à Londres? Mais il y en a dans l'entrepôt à Londres. Je me demande si je vais pas faire un spécial Londres-Birmingham. Hein. Je crois que tu l'avais fait. Bah non, tu m'as dit qu'il y avait déjà une ligne qui faisait... Moi, je vois l'entrepôt. Ah si, elle est là. Mais non, mais... Elle est en express. Attends. Il est à zéro. Mais non, elle était pas en express, elle est en 1000. Bah si, regarde, j'ai une Londres-Birmingham 2. Ah, attends. Bah si, c'est bon. Londres-Birmingham 2, ok. Statut express. Et c'est du mixte. Mais il prend de la viande. Ah, et en fait... C'est loco mixte, mais ça veut pas dire... Ah non, il y a de la viande. Non, il y a le statut express. Il y a le statut express, elle est rapide. Alors attends, oh, là... Oui, il... c'est ça, c'est... Ah, c'est le statut express, ouais. Ouais, là, il est à Londres. Il est à Londres, il va peut-être charger du bois. Peut-être. On va voir. Ça porte confusion. J'ai entendu parler d'une invention assez dingue, une fibre. Tu sais, c'est quoi le plus dingue, Philippe? C'est que ça fait un peu plus d'un mois maintenant que la fibre, elle passe dans ma rue. Elle traverse toute... Ils l'ont installée. Moi, je suis dans un petit bourg, hein, on est 700 habitants. Ça a été installé, les travaux ont commencé il y a plusieurs mois. Ils sont déjà terminés. La fibre est là, j'attends juste une chose, j'attends que Orange appelle en disant « Bonjour Monsieur Jacobé, on a des offres à vous proposer. » Ce jour-là, je te jure, je saute un champagne. En live, j'arrose le clavier, j'arrose l'écran, j'arrose tout. J'attends que ça. Bon, il charge de la bière et il charge pas de bois. Je pense qu'il faudrait en mettre un deuxième en fait. Le bois, il a chargé entièrement le train tout à l'heure, le bois. Ouais, mais j'ai rien qui va à Birmingham. Hein. Toujours pas. Hein. Mais ton entrepôt là tout de suite il est vide. Ah merde, il était plein de tout à l'heure. Ah oui, mais s'il y a un train qui est de la vider entre temps. Ah, et puis j'ai que un train. Vous voulez pas que je fasse une double voie entre. Entre le dépôt. Le producteur de bois et Londres. Vous voulez pas que je fasse une double voie? Comme ça je pourrais mettre plusieurs trains. J'ai un peu peur de combien ça va nous coûter. Mais pourquoi pas. On a 165 000 et les voies parallèles coûtent moins cher. Juste un évitement à Knoll-Lesk. Tu veux le faire, Fafa? T'as l'habitude de les faire? Moi, je mets tout en double, sinon. Si t'as envie de t'amuser à faire des rails, vas-y. Hein. Ouais, les évitements. Moi, j'ai pris l'habitude, en fait, j'ai pris une très mauvaise habitude, c'est de mettre toutes mes voies d'emblée en double. Ça coûte un bras, mais ça marche plutôt bien. Pourquoi on est en pause? Nouvel équipier, Lactique. Ah, Vincent est en équipier, t'es pas en spectateur. Oh, c'est pas grave. Ça te gêne, Monsieur Vincent Reco. Non, pas de problème. Non, tu peux rester comme ça. Bah, comme ça, si tu veux faire des bidouilles avec l'interface, tu peux y aller. Hein. Parce qu'en spectateur, du coup, toi, tu voyais quoi? La même chose que vous, simplement, je ne pouvais pas faire d'action. D'accord. Tu as des goûts de luxe pour un cas qui n'a pas la fibre, c'est vrai.
J'ai pas trouvé que les premières heures du jeu, il y avait des grosses difficultés économiques, du coup, je me suis fait un peu plaisir. Et pour te dire que j'ai des goûts luxe, je mettais, j'ai mis un temps fou avant de mettre plusieurs trains sur une voie, sur une ligne. Parce que, je faisais mes doubles voies, et je mettais qu'un seul train dessus. Il avait t'as tout quoi, le luxe. Double voie, alors hein ça, rien. Du luxe, pur et dur. Et après j'ai fait, mais attends, ils demandent beaucoup de trucs les mecs. Il me faudrait peut-être un deuxième train, et puis un troisième. Des rails en moquette, ouais. Champouiné tous les jours. Du coup, alors attends, Londres. Londres en fait, on peut acheter les réseaux privés maintenant si vous voulez. Fais si tu veux, moi je voudrais regarder. Ah ouais, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que ça coûte 400 000. Ah bah non alors. Plus 3 en bois, je pense qu'il va falloir doubler le bois. Je sais, je suis chiant avec mon bois, les gars, mais Ah bah attends, Fafa, t'as fait la voie d'évitement ou pas? Oui. Et par contre, comme je l'ai fait en gare, j'espère que ça marche. C'est cher de faire une voie d'évitement en gare. Et je la vois pas, ta voie, attends. Je pense qu'on devrait acheter, quand on aura 400 000, la voie qui va à Oxford. Acno, Ah oui, elle est là. Attends. D'accord. Tac, tac, ok. Et t'as mis en voie, t'as en... Ah, t'as... ah oui, d'accord, t'as fait carrément en gare. Mais ça marche pas quand on fait comme ça. Si. Et là, t'as pas spécifié de sens. Non, il gère tout seul, de toute façon. Non, c'est vrai qu'il gère. Tu peux pas. Ouais. Ok, bon, bah... Et t'as remis un deuxième train sur la ligne ou tu veux que je fasse? Eh ben, je voulais le faire, sauf qu'il n'y avait pas de sous, maintenant il y a des sous, donc... Tu savais même pas que tu pouvais faire ça, Fafa, parce que là, t'as pas de signaux, en fait. Bah, faut que je le voie, justement, si ça marche ou pas, ça va être la question. À mon avis, tu vas quand même devoir régler l'essence à la sortie de la gare. Vous avez fait un évitement de luxe. Dans la vie, on fait ça en gare, mais dans le jeu, c'est moins cher en ligne. Parce que là, il a été obligé de reconstruire un quai, du coup. Ouais, ça coûte 50 000, du coup. À moins que... Des fois, quand tu prends des gares, il y a déjà deux quais de fait... Après, t'as deux quais en vert. Maintenant que t'as fait la gare, ça nous coûte peut-être plus si cher de faire la ligne. Je sais pas c'est quoi en fait le critère pour que des fois t'as des gares qui aient deux voies en vert et du coup t'as pas besoin de te faire chier à faire des quais. Je sais pas. Du coup, Fafa, entre Russell Terminus et Londres, t'en as mis deux. Ok, ça roule. Bon, bah j'espère que Londres va avoir du bois et après Birmingham. Ouais, il y a du bois en route. A priori, ça nous coûterait 50 000 de faire la voie pour relier la gare de Knuckle Gare. Alors, maintenant laquelle que t'as fait la gare, ça nous coûte plus si cher que ça. Même. Laquelle tu veux faire? La gare juste avant le bois, là. Nodes Gare. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'on a en objectif du coup là? Transporter 800 passagers. Bon, là on est bien, ça avance. 800 sacs postaux. Ok. Ouais. C'est long, tout va arriver sur le même. Liverpool, Manchester, York et Carlisle. Ok. Attends, où est Liverpool? Liverpool. Bah, Liverpool, c'est une toute petite ville. Si on veut le faire grandir, il faudrait peut-être amener des trucs aussi, non? Oh, c'est pas compliqué, ils ont rien. 58%. Re Jérémy. Ils ont que dalle. Du maïs, tout ça. Rien. Où est-ce qu'il y a du maïs? Il y en a à la gare de Londres, il y en a. À Londres, il y a du maïs. Et il arrive d'où? Maïs qui est raccordé. Ah oui, ok. Il arrive d'en bas, okay, là, okay. Côté de Dover. Et bah, il faut le mettre en entrepôt. Il est pas déjà? Il est déjà, ok, donc il faut faire une voie qui fasse une ligne qui fait Londres. Ouais, mais il s'arrête partout, quoi. Attends, mais il y en a pas une déjà qui fait Liverpool? Si, bah, il y a la main line. Mais pourquoi il y a pas de... Je comprends pas pourquoi il y a pas de maïs qui arrive là-haut. Les autres, parce que les autres ils ponctionnent comme des cochons. Bah là, je suis à Liverpool, le train il est arrivé avec un de maïs dedans, j'ai l'impression. Ah bah c'est bon, attends, fais voir. Attends. Non, zéro. T'as rien. À moins qu'ils soient en train de vider, mais... Non.
T'as rien du tout. Le train est reparti de... Problème de production qui nous met en viande. Alors il met problème de production, mais il me dit pas pourquoi. Parce qu'il n'a pas de vache. Bah si, il en a. Ah si, il y a une garde de vache. Il en a, il a 25. Besoin 2,4. Regarde, la viande est pleine. L'entrepôt est plein de viande. Donc il peut pas produire vu qu'il sait pas le... Ouais, il y a des trucs que je comprends pas. Attends, pourquoi j'ai un truc de fret qui se barre sans rien là? Attends, c'est quoi ce bordel? Celui qui va au le match. Train a effectué son sans fret. Putain, mais il y a un truc que je comprends pas là. Ben, alors, le multi, c'est pas mal, mais. Salut Kevin, t'es parti? Salut Kevin. Ouais, je vais y aller. Bonne soirée. À puche. À plus. Juste le chat. Le multi, c'est bien, mais. Il y a des trucs qu'on comprend pas là. Qu'est-ce que tu comprends pas, Bruno? Bah, il y a un train qui se promène. Il se promène à vide, donc déjà celui-là on peut le mettre en pause. Vu que Liverpool, y'a pas de pause. Bah si, tu enlèves le train. Ah attends, si Liverpool c'est parce que dans les entrepôts est-ce qu'on a mis le bétail? Non, ah, on l'a pas mis. Bah non, alors vas-y. Mais est-ce que quelqu'un a besoin de bétail? Bah si, tout le monde. Oui. Birmingham. Mais non, Birmingham a une gare de vaches. Que les vaches ça sert à rien, non? C'est la viande qui sert. Ah mais non, bah si, attends, il est déjà en vache. Il est déjà en vache, donc en fait tout le monde est déjà approvisionné en vache. Et sinon Fafa, t'as fait une bêtise. C'est ce que je comprends. Deux. Tu t'es branché sur la troisième ligne, donc t'as dépensé 100 000 pour rien. Oups. Ah non, attends. Bah non, il est en entrepôt pourtant. J'allais dire, les trois voies sont pas raccordées, mais on s'en fout vu qu'il est en entrepôt. Vu qu'il est en entrepôt, normalement, il stocke le bétail. Et le bétail peut repartir. Mais là, il fait pas. Et le bétail a nulle part où aller? Oui, parce que regarde. Liverpool 2,4. Manchester 4,8. Birmingham. Non, ouais, bah, mais Birmingham, il y a. Mais pourquoi, Fafa, pourquoi il n'y a rien qui part en fait de Liverpool? Parce qu'en fait, si tu regardes l'entrepôt de Liverpool, il y a le bétail, il en stocke pas. Ah si, ça y est, plus 4, ok. Putain, c'est long. C'est vachement long, en fait. Bah du coup, ils ont besoin de quoi à Liverpool? Bah du maïs, mais le maïs n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut se retrouver à un autre endroit, en fait, où s'approvisionner. Il y a peut-être pas assez de maïs qui arrive, tout simplement. Ou alors on augmente la production de maïs. Alors ça, tu vois, c'est un truc que j'ai jamais fait. Comment tu augmentes? Il faut que tu sois propriétaire, non? Tu dois acheter, ouais. Ouais, non, 810 000 hein, pour acheter la production, donc... ouf, c'est un peu cher, c'est un peu cher. Voilà. Ouais, on est en Grande-Bretagne, Edouard. Et il neige. Pour le coup, il neige, ouais. Et il y a beaucoup de concurrence. Par rapport au niveau 1, on a une île concurrente. Là, on en a... Bah tiens, regarde quand tu vas d'entreprise, je sais pas, on est combien? Trois autres concurrents. Bon, ça va, les finances vont bien. Alors Birmingham, 35 000 habitants, ouais, mais je voudrais bien, moi, mais... Il y a toujours le problème... Ah! Il y a toujours le problème de bois qui n'arrive pas à Birmingham, je commence à en avoir un peu marre de cette histoire, mais... Et des vêtements. Du tissu, mais personne produit de vêtements. Peut-être Londres. Attends, des vêtements? Si, Londres produit des vêtements, mais là, c'est pas des vêtements qu'ils ont besoin. C'est du tissu. Eh ouais, c'est pas pareil. Le tissu, c'est Liverpool qui en produit. Non, Liverpool, ils font de la viande. Manchester, non, ils font de la viande. Stock, et en fait, personne ne fait du tissu. On a de la laine, on a des fringues, mais personne ne fait du tissu. Super. Il vient d'où ton bois? Bah de là, normalement. Attends, regarde. J'ai raccordé en attente de déploiement. Du coup, effectivement, le jeu veut pas gérer le croisement en gare. D'accord, donc faut que tu refasses. Du coup, j'ai refait, je l'ai décalé. Il vient de là, en fait. Merci. Philippe, j'ai du bois, production de bois ici, je l'emmène par là, jusqu'à Londres, et Londres, j'ai un entrepôt où je peux stocker le bois. D'ailleurs, l'entrepôt, si tu regardes, la gare de Londres, elle en a.
Bon, là, elle en a zéro parce que le train n'arrive pas à partir. Mais tout à l'heure, elle en avait dedans. Et le train, bah, il part et il est intercepté par les autres villes avant Liverpool. Et ça fait chier. Ouais, c'est le problème, ça. C'est les autres qui se servent en premier. Express, hein. Il faudrait faire un express qui part direct Londres, Liverpool. Moi, c'est ce que je faisais dans ma campagne 1. Je faisais une ligne, en fait. À chaque fois qu'une ville avait besoin d'une production, je faisais une ligne directe qui allait. Bah mais ça tu peux pas le gérer encore. On peut pas le... Il produit par semaine 4,2 et les demandes sont trop élevées en fait. Parce qu'il faudrait acheter le bâtiment pour... Utilisation du train 50%. Bon et puis Fafa... Fafa bon, elle arrive, elle est en train de charger la deuxième loco. Tu mettrais pas en rapide Bruno? Ouais, vas-y. Tac. Merci. Moi je suis désolé, je viens de dépenser plein d'argent. Ah, attends, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais monter dans celle-là, moi. Ah. Est-ce qu'on a encore Chevalier Las Palès? Ouais, toujours. Un peu crade, hein, le gars. Hein. Il faudrait te laver un peu, hein. Tu commences à avoir des croûtes, là, dans le... C'est pas très... Pas très propre, hein. C'est bon, on arrive. Ah, non. Ah si. Ah, il y a Fafa qui part. Bon, ça va, il le gère bien. Voilà pourquoi il faut gérer la compta. Bruno va m'offrir le jeu car je suis gentil, c'est vrai. T'aimes bien ce genre de jeu, toi, Mika? Je savais pas que t'étais jeu de gestion. Moi, je suis pas un gros fou de gestion, mais j'avoue que ce jeu, j'ai complètement accroché. Oui, t'es ouf, la gestion, c'est cool. Il s'arrête là. Ouais, et je pense que Londres avec tous les trains sur en gros une seule voie. Pourquoi il a arrêté lui? Ouais, il va falloir qu'on élargisse. Parce que Londres, t'as qu'une seule voie. Ah. En gros, enfin t'as deux voies, mais enfin t'as une voie qui est surutilisée. Il va falloir qu'on élargisse. Eh ben, tu sais quoi? On aurait peut-être dû faire. Attends. Hey. C'est que ton train de bois, il doit arriver sur une voie différente. Ouais. Bah, tu veux qu'on la chante? Après oui, on peut la déplacer. Ouais, que... mais attends, on l'a déplacée, vu comment elle est construite. Mais non. Non, je vais la déplacer. Ah, c'est chiant. Pourquoi? Non. C'est quoi le problème, Bruno? Bah, t'es obligé de la détruire à moitié, non, la truc? Mais non, tu mets le point. Le point que je t'ai dit tout à l'heure de destruction en faisant mage. Regarde, fais mage et appuie sur la voie. Et là, non, tu mais peux pas là. Un point. Ah, sur la voie, à l'endroit où tu veux couper ta là. Voie. Ouais. Juste, tu vois le pont, juste après le pont. Ok, enlever le tronçon. Tac. Voilà. Là, tu peux enlever juste un petit. Tu prends. Attends. Oh putain, le con. Annulé. Oh t'as pas de contrôle Z sur ce jeu. J'ai fait une boulette. Ah là là. Ah, Fafa, je te laisse le construire. J'ai fait une boulette. Est-ce qu'on construirait pas un musée à Londres? Hein? On ferait pas un musée à Londres? Ctrl Z, ça marche pas. Et merde, y'a un train qui arrive là et... Attends, je vais mettre pause. Ah, je peux pas mettre pause. Alt F4, non, ça marche pas, Alt F4. Ah bah, et puis attends, parce que là, du coup, il me dit que ça coûte... Oh merde. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire, il me l'a enlevé? Attends, je vais retenter un truc. Construction de voie. Tac. Il veut pas me raccorder. Il va pas me faire chier. Attends, on va carrément démolir l'autre morceau là. Non? Je peux dessus aussi. D'accord. Non, vas-y, vas-y, fais. Parce que moi. Ouais, mais sauf que du coup, comme t'étais dessus en même temps. Le père connerie, moi. Sur cette merveilleuse manip. Je vais vous laisser, patron. Salut Philippe, merci d'être passé en tout cas, ça fait plaisir. Reviens quand t'avais tu veux, dit hein. T'es le bienvenu. Hein. Viens pas jouer avec nous, t'as raison, parce que... t'as arraché les cheveux. Non, on va se roder encore un peu. Non, je veux pas mettre ça. Pourquoi j'ai les trains, le problème, qui sont en arrêt, Fafa? Ah non, c'est pas un problème. Bah, j'ai les trains, en fait, là, qui sont... Bah, ils peuvent pas... Forcément, y'a plus de voix. Bah, c'est normal, mais comme...
Bah attends. Bah je veux bien moi refaire une voix, mais je fais comment? Et attends, mais j'essaye de la faire, je trouve que... Ouais, mais il veut pas. Pourquoi il veut pas que je la baisse, lui? Je la baisse, il me remonte. Bah c'est parce que... oui. Peut-être parce qu'il y a des trains dessus, non? Bruno, il a tout pété, j'ai l'impression. Ah, ça y est, Fafa a fait la voix. Elle est la voix. Impeccable. Elle est tracée. Et donc, tu la refais sur... La troisième. Ouais, ok, impeccable. Et ça nous a coûté combien? 110. Chouf. 110, mais quand t'as détruit, on a récupéré, je sais pas combien, parce qu'on est monté à 156 d'un coup. Ok. Alors, on peut mettre musée, les gars. T'as fait le musée? Je vais le faire. Ok. Est-ce que ça vous dit l'amélioration chasse-buff? D'avant, lorsqu'elle est en mouvement et permet de lui conserver son apparence. Ah, ok, donc ça maintient la valeur résiduelle que vous obtenez en remplaçant d'anciennes locomotives. Augmente... Oh, c'est pas très intéressant ça. Est-ce que ça vous dit une loco qui va un peu plus vite? Allez, c'est parti. Le coût des postes de maintenance sont réduits de 5%. Ouais, je prends. Je prends. Toc. Par contre, Birginian. Je la baisse et il me la remonte. De quoi, attends? Il m'a répondu, Bruno, ou pas? De quoi? Non, j'ai pas vu ce que t'as marqué, Grizzly. Alt F4? Ah non, lactique, putain, si je fais ça, ma banquière va me tuer. Alors attends, de quoi il parle? Je peux vous rejoindre, Didi? Tu veux nous rejoindre? C'est limité à 4 joueurs. On est limité à 4 là-dessus. Attends. Ah! Main Night 4 en attente de déploiement. Qui c'est qui a rajouté des trains sur la ligne principale? Moi, j'en ai remis un. D'accord. Et alors, c'est quoi l'objectif, là? Toujours les 35 000 habitants à Birmingham, mais Birmingham, s'ils ont pas de bois, c'est mort, hein. Voilà, la force, elle a commencé à monter, non? Le bois... Ah, le bois arrive! Le bois arrive! Il y a 3 bois qui arrivent. Il faut du tissu, par contre. Ouais, mais il faut du tissu. Après, au pire, tu fais une ligne directe à Birmingham au bois, hein. Non, mais ça va le faire. Par contre, le tissu, je sais pas où le piquer, quoi. Non, c'est ça. Il y en a 6 en cours d'acheminement vers Londres, et il y en a 4 déjà qui vont partir. Ce qu'on pourrait faire, c'est relier la gare de vache de Birmingham au bois, directement. La gare Kerr. Ouais, ouais, faire une boucle, carrément. Gallagher à Russell Terminus. Carrément. Par contre, ils veulent du tissu, mais y a pas de tissu. Moi, je suis désolé, mais peut-être Londres en fera à un moment donné, mais pour l'instant, ils en font pas. Stock dans la ville. Alors, ils en ont. Nous, peut-être qu'on crée une usine, hein, Bruno aussi. Oui, après, on peut faire. Ah, c'est vrai, tissage. Oui. 418 000. Ah, c'est un peu cher quand même. C'est un peu cher. Ah, matériaux manquants. Merde, ils ont pas d'eau. Pourquoi ils ont pas d'eau ici? Qui c'est qui a fait une ligne qui a pas mis de flotte? Ah, je mets de l'eau. Pourquoi je peux pas mettre de l'eau? Marqué quoi? Ah, on a pas assez d'argent. Il y a besoin de pépettes, les gars. Attends, je vais avancer le temps. Il me faut 30 000 balles parce qu'il y a pas d'eau là sur ta voie, Flo. C'est quoi là qu'ils produisent ici? Des pommes. Ok. Ah, celle-là non plus, j'avais pas mis d'eau. Non. Parce qu'il y en a une autre où j'ai pas mis d'eau. Ouais, là. Tac, ok, c'est bon. Bon, après, même pas là. Tout le bois il part à Dover. Au Birmingham, ils doivent être. Flo, il parle pas, mais il est en train de nous faire toute la partie nord là. Ouais, je fais l'est de manière générale. Mais oui, je suis en train de monter au nord. Parce que là, je vois, qu'est-ce qu'ils produisent eux? Du sel. Ouais, on va avoir du sel. Bah, on va avoir du sel, ouais, c'est bien. Bah, sel, c'est... il faut du temps hein, avant de. Ah, bah nickel. Londres se développe, hein. Ouais, mais il faut du temps avant d'avoir le sel. Je crois qu'il faut 60 000 habitants, non? C'est une connerie comme ça? Et Londres est à 80 000. Bah, c'est la capitale, hein. Bah, ouais. On va développer ça en premier.
Après, ouais, si tu pousses un peu, t'as le... Ah, ils veulent des carottes, ils veulent des pommes. Bah, les pommes, on peut leur envoyer. Est-ce que quelqu'un a fait un trajet Lynch vers genre Birmingham pour déposer des pommes? Oui, mais il n'y a pas d'entrepôt à Birmingham. Hein. Faut en construire. Si, il y a un entrepôt à Birmingham. Non, je l'ai démoli. Ah, putain, non, tu l'as démoli. Ah, c'était le... Ben, écoute, c'est pas grave. On va faire carrément un direct, non? On démolit un des deux. On s'en fout de ce qu'il y a à Birmingham, démoli. Le hall de marché, je peux le dégager? Ouais, un des deux. C'est bon, il y a les sous. Il fait quoi, le hall de marché? Je sais même pas, en fait. Le hall augmente de 10% des recettes. Ouais, on s'en fout. Allez. Un entrepôt. On va mettre les pommes. Mais je dois dire qu'à l'époque où je travaillais pour la compagnie britannique des Indes orientales, nous expédions au moins... Ah, allez, tais-toi. Qu'est-ce qu'on peut mettre Qu'est-ce que vous voyez à mettre dans le... Ah, il y en a un qui est en panne. Ah, putain, maintenance nécessaire. Ah, il n'y a pas de poste de maintenance. Attends. Qu'est-ce que vous voyez à mettre en entrepôt à Birmingham? Moi, j'ai mis les pommes. Il y a du blé aussi. On peut mettre le blé parce qu'il y a un transport de blé. On peut mettre. Les vaches, hein. Attends, on va faire un dépôt de maintenance ici. Je peux pas, j'ai pas de thunes. Je viens de faire un dépôt de maintenance autre part. Shit. Il m'y a fait penser. Ah, il m'en faut un. Il faut que j'attende que ça remonte. Parce que là, on a un train en panne. Mais en panne. Flo fait un beau truc. Pas comme sur Satis. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh là, j'ai commencé à le titiller là, attention. Oh là là, il va mal se passer avec lui. Attends, on va mettre du blé. Est-ce que à Birmingham, il y a des vêtements qui passent? Ou des carottes, des légumes? Les légumes, on les a pas encore. C'est dans la zone de Cambridge. D'accord. Ça coûte 150 000 à débloquer. D'accord, on va attendre. On peut toujours faire un emprunt, je crois que tu l'avais pas fait. Non, on va pas le faire. On peut pas les emprunts. Je suis un rapace. Ah, moi je tape toujours dedans. Et j'en rembourse un pour en acheter un deux fois plus cher. Je vais être prompt sur les constructions, hein. J'attends 76 000 balles. Et je prends. Ah mais Grizzly, t'es déjà venu visiter ma base de mémoire. Tac, c'est bon. Bon, je vais montrer son starter parties. Et on avait bien ri, ok. Ah j'ai un starter dégueulasse. Oh là là là, putain. Mais on n'a pas de maintenance à Londres. Si on a un dépôt de maintenance, pourquoi il tombe en panne là-bas le train? Je pense qu'il en faudrait un autre à Russell Terminus. Non, regarde, c'est des pannes aléatoires. Tu regardes en état de locomotive, il y a 76, il y a de l'eau, il y a du sable, il y a de l'huile. C'est dans quel sens que ça se paramètre le truc de maintenance? Le pourcentage, je sais jamais le pourcentage de quoi. Moi je mets 60, c'est dès qu'en fait elle part en maintenance, ta loco, dès qu'elle est à 60% de dégâts quoi en fait. C'est des pourcentages de dégâts ou c'est des pourcentages de... Bah c'est quand tu cliques sur un train, tu as son... État loco est censé être à 100% ou... Tu as état de loco, état de la locomotive. État de la locomotive, en fait, là tu vois, par exemple, j'en ai une, elle a 46%. Quand elle doit aller en maintenance. Elle doit aller en maintenance, ouais. Elle va y aller. La prochaine fois qu'elle passe dans une gare ou un truc de maintenance... Bah normalement, elle devrait y aller. Je sais pas où est-ce qu'elle est là, mais... Elle va s'arrêter à Londres, si tout va bien. Eh ben écoute, Birmingham est en bonne voie. Il manque juste du tissu, mais... Je vais m'occuper du tissu. J'arrive à un truc de tissu. Mais où est-ce que tu trouves du tissu, toi? À Carlist. Je sais pas comment tu dis. Ah, tout là-haut. Tout au nord, là-haut. Ah oui. Ok. De la laine. Non, du tissu. Tissu dans la ville, en fait. Ils sont... Carlist, ils sont producteurs de tissu. Ils peuvent faire. Salut, Julna. Merci pour ton follow. Ah oui, d'accord. Ils sont producteurs de tissus, donc c'est bon. Bah, c'est Benji. Est-ce que... Ah. De Hamson Halt remonter jusque... Alors, Hamson Halt... Ça coûte cher parce que c'est la montagne là-bas. Tu peux regarder ce que tu arriveras à faire, mais ça coûte cher. Ok, donc ici... Qu'est-ce que tu veux faire d'ici, Fafa? Production de viande? Non, rejoindre... Ah, Carlil. Ouais, mais c'est de la montagne, ouais. Flo a raison, ça va juste coûter un bras. Ou une couille, c'est au choix. Alors ça avance ce petit train? Ouais, ça avance. Ça avance. Il y a une ligne Fafa qui est déjà là, mais elle coûte 350 000. Ah, on peut l'acheter, c'est la ligne privée.
Comment on fait pour acheter une ligne privée? Clique dessus. Non, moi c'est marqué la voie privée ne peut pas être achetée pour le moment. Ah, bah moi ça me dit juste. Ouais, moi ça me dit 350 000 et qu'on n'a pas les liquidités. Ah, il y a un bug de synchro. Ah, je sais pas. Mais je pense que c'est un bug de synchro du coup. Je sais pas. Bah, s'il y en a un qui peut l'acheter, achetez-le, mais je sais pas si c'est valable, hein. 350 000, c'est un peu cher quand même. Bah, après, elle a du tunnel. Chemin, hein. Elle a du tunnel. C'est peut-être pour ça qu'elle coûte un bras. Voie construite. T'as fait quoi comme voie, Flo? T'as fait de Carly de la. Ouais, j'ai fini là-haut. Ok. Et du coup, t'as mis un train qui part de Carlisle jusqu'à Londres? Non. Jusqu'à York. C'est où, York? À York, faudra faire un entrepôt. Eh ben, vas-y, je te le fais. Quand t'auras 130 000. Ah. Ouais, 133 000. Qu'est-ce que je mets à York, du coup? Il y a déjà de la bière. Très bien, ma ligne en sens unique est vraiment très longue et bah... Eh ben, je vais faire entrepôt de maïs à York et je vais mettre entrepôt de tissu aussi et de sel. Comme ça, tout pourra partir de là directement. Est-ce qu'on pourrait pas mettre deux trains en faisant une voie d'évitement du coup? Tu veux la faire où la voie d'évitement? En gros, ça coûte pas trop cher. Est-ce que c'est sur le trajet vers l'île York? Ouais. Il y a un petit morceau là qui a l'air pas mal, qui a l'air assez plat. Tu veux essayer? Je peux faire. Alors après, ça doit fonctionner en gare, mais par contre, il faut garder de la place pour mettre une grille de chaque côté. Et si je fais ça, Fafa, une c'est pas bon. Regarde. Parti en sens unique. Regarde le stream, non, Fafa. Tu peux pas. Sur une gare, tu peux pas mettre de sens unique. Non, après, tu gardes un morceau de rail après pour mettre du sens unique et avoir un signal. Fafa, est-ce que je peux faire ça là? Oui, ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, ça fonctionne. Là, j'ai fait une ligne, ce qu'on disait là, pour l'haleine revenir à Hampson Halt, en passant au bord de l'eau. Je suis à 225 000. D'accord. Flo, t'as pensé à mettre des points d'eau? J'en ai un. Ok. Il y en a un quelque part, normalement. Ouais, c'est bon. T'as fait ça sur quel slot, ça va faire? Le 2. Ah, je peux pas y accéder au 2. Non, s'il est dessus, tu peux pas y accéder. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis? Bruno, je t'aime bien, mais j'ai un putain de puilt à faire et j'aurais besoin que tu fasses. Ouais, maintenant je le vois. Prépare tout, il faudrait qu'on fasse ça demain. Ouais, t'as réussi à en faire pas beaucoup. Demain rapidement, quoi. Ouais, puis je suis à 4% au maximum en pente. Ouais, ça va. Flo, ta ligne qui fait. Carlisle York, on peut mettre un deuxième train ou pas dessus? Ah ouais, elle est doublée, elle peut tourner à deux. Ah bah attends. Mais il n'y a pas de... Attends, Carlisle... Carlisle Moore, quoi? Attends, mais ça va où, ça? Oh, qu'est-ce que tu peux cliquer sur les voies, hein. Ouais, je sais, mais... Attends. Carlisle Moore, mais c'est où, Moore? Mais clique dessus, tu verras bien. Clique sur ta ligne. Ah putain, mais non, Moore, t'as fait... C'est mais non. La laine, tonneur. Mais non, Flo, t'as rien fait encore qui part de Carlisle jusqu'à York pour le tissu? Mais si. Bah, je la vois pas. Mais fais le. Faut que tu demandes le détail de. Fais modifier la ligne. Carlisle, Moore. C'est celle-là? À droite. À droite, le nom fait, est pas bon. Ah si, d'accord, ah, le nom est pas bon. C'est juste le nom qui est pas bon. Le nom est pas bon. Là, modifier, donc tu fais Carlisle. Oh, c'est bizarre, elle est bizarre, ta... Je l'ai pas fait en double sens, c'est bon. Enfin, je repasse pas par toutes les gares en... Ouais, au retour, tu... Ouais, bon, parce bah écoute. Parce qu'avant, j'avais pas de gare, en fait, j'avais pas de ville. Maintenant, j'ai... Je mets un deuxième train dessus, sur cette voie-là. Par contre, le dernier truc, je sais pas si ça sert à quelque chose d'avoir Mourare, Carlisle en 6 et 7. Bah, ça permet, en fait... Ah, ouais, non, t'as raison. Attends, là, tu fais... Carlisle, O'Neill, tac, Fletcher, York... Et après, tu retournes à Moore, direct. Et tu retournes vider d'haleine direct. D'accord. Ah non, t'as 6 Moore, 7 Carlisle,
et un de nouveau Carlile. Donc Demour il va à Carlile et il est à Carlile, donc il repart à O'Neill. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais faire. D'accord, il te manque un Moore dans la bataille. Le. En fait, Carlile devait être. Mais quand tu fais ton trajet, normalement, Carlile, en fait, t'aurais dû faire Moore-York. Ah, tu peux le refaire si tu veux. En fait, t'aurais dû faire ça peut-être, Moore-York. Et après, il le fait tout seul. Non, si tu mets pas les gars, il s'arrête pas, il passe et il décharge. Ah oui. Faut mettre les gars pour qu'il s'arrête. Tu veux dire. Ouais, non, mais après, le retour. T'es obligé de faire le retour. Ah non, bah le retour, non. Pareil, si tu veux qu'il s'arrête. Qu'il s'arrête, quoi. Bah oui, je veux qu'il s'arrête. Ouais. Ah donc, t'es obligé de le mettre. Enfin. Ça dépend si on veut. Pff, ouais. Ouais. Après, j'ai qu'une toute petite voix ici, hein, pour le. Bah, pour là, le croisement. Je dirais, si on monte à. Sinon, on fait autre chose. C'est que si on monte à 210 000, on fait le morceau qui manque entre Moore et Hamson. Et on fait juste tourner les trains en rond. On peut faire ça. Moi, je suis partisan de la boucle. Hein. Plutôt que des longs trajets aller-retour comme ça. Je vais déjà confirmer celui-là, là, ce trajet-là, avec deux trains. Pour le moment. Parce qu'il y a de la demande. Et à York, il faut absolument que... Ah, attends. D'après les paramètres, votre ligne ferroviaire ne peut effectuer aucune action à Mecham. Pourquoi? Ah, parce qu'il n'y a pas d'entrepôt. Non, c'est parce que le sel sert à rien, c'est tout. C'est pas grave, on va laisser comme ça. Et après, de York, donc York, il faudrait qu'il ait en entrepôt tout le reste. Ah, mais non, attends. Il me faut un entrepôt à York. J'ai besoin de 130 000 balles, les gars. T'étais venu là pour ça à la base. Ah, j'étais venu là pour ça. Il me faut 130 000 balles pour ramener tout de York. Enfin, de. Faire la ligne qui va de Moore à York. T'as plus besoin. Bah, si, parce que. Mais non, parce qu'on peut faire tout ramener à Liverpool et Liverpool a déjà l'entrepôt. Ouais, mais il est quasiment plein de l'entrepôt de Liverpool. Y'a plus de place. T'auras peut-être pas assez, hein. Entrepôt, mais il reste 3 places. Et York, il a rien. Enfin, il nous faudrait un entrepôt. Bah, il y a déjà un entrepôt à Liverpool. Il reste 3 places dedans. Moi, pour moi, il va y avoir des marchandises en fait qui vont pas être convoyées. Le maïs, le blé, là, ils vont. Je sais pas. Par contre, vous avez déjà testé mettre des trains en boucle comme ça? Parce que. Y a... Ah non, ouais, non, j'ai rien dit. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Tu fais Liverpool, York. Le train prend toujours le. Hop, revenir à Liverpool. Le train prend toujours le trajet le plus court, Flo. Donc de toute façon, il fera sa boucle. Non, en fait, on peut avoir un seul train tant qu'il n'y a pas de signaux. Et donc, pour qu'il y ait des signaux, on va devoir mettre en sens unique. Ouais. Et donc, on met en sens unique dans quel sens? Le problème, c'est que il faut que la laine de Moon, elle aille à Carlisle. Ouais. Donc, on fait dans ce sens-là? Et il faudrait que York stocke ou Manchester. Non, parce que... Ou alors on double une partie et puis c'est tout. Là vous êtes en train York. De foutre des trains, vous êtes en train de mettre des trains, mais les qui vont envoyer du consommable que dans la partie nord. Et on a besoin d'envoyer à Londres, on a besoin d'envoyer à Birmingham et à Liverpool. C'est pour ça qu'il y a un entrepôt à Liverpool. Ouais, mais tu mets quoi à Liverpool? Et bah le tissu. Le tissu. T'as que ça, il faudrait mettre du blé aussi. Le sel. Et il y a du maïs aussi sur la ligne. Blé, maïs. Et là on est plein. L'entrepôt de Liverpool il est plein. Ouais. Tu vois ta voie pour doubler là pour se croiser. Ouais. T'as oublié de la mettre en sens unique. Elle est où? Bah, je viens de le faire du coup. Mais... Tac, ok, ouais, exact. Bah, de toute façon, attends. Je pensais qu'il le gérait tout seul, ce truc-là. Ouais, je fais jamais le sens unique. Parce que d'ailleurs, j'en ai créé déjà une. York-Liverpool, c'est déjà en double voie, là. Ouais. Ouais. Je vais débloquer des compétences, là. On a quoi? Réhabilitation? Non, on s'en fiche.
Réduit les coûts de maintenance. Ouais, vas-y. Ah non, on a déjà pris. La durée de maintenance des locomotives est réduite. Ok, on va prendre. Après la fin d'une enchère, les coûts sont ensuite réduits de 5% supplémentaires. On s'en fout, on fait pas d'enchère. Ok, c'est cool. Atteindre 120 000 habitants dans la région nord. On y est presque. Il faudrait faire grandir Liverpool et York. York, il y a moyen de le faire grandir. York veut du bois. Et du sucre. Du bois et du sucre. Je sais pas où, on en a en stock. Bah du sucre, il y a à Liverpool, t'en as en stock. Ouais. Donc ça devrait se faire tout seul normalement. Ouais. Ça va se faire tout seul. S'il y a un Liverpool York quelque part, ça devrait passer. Mais je crois que Fafa, toi t'as mis dans le sens Liverpool Hamsom. Et en fait, il va pas aller. Celui-là, j'ai pas touché encore, c'est l'existant. Ouais, mais justement, il faudra envoyer en direct de Liverpool à York, non? Un peu de marchandises pour qu'elle se développe. Oui, mais Liverpool-York, t'es en double voie, donc là, on s'en fout, on peut faire. On peut en faire un. Oui. Pour les passagers aussi, pas que pour le. Pas que pour le fret. Bah oui, pour tout, et tant qu'à faire. Allez, vas-y, c'est parti. Tac. Une ligne qui va de là à là à là. Stack, ok. Et t'as une. Oui, il y a une zone d'évite de. On peut doubler entre Carlist et O'Neill. Entre Carlist et. Non, à moins que Flo en ait fait une. Moi, j'en ai pas fait. On peut faire des zones d'évite en moi. Ok. Donc le. Le Liverpool Hamson, je peux lui faire le tour complet là. Si tu veux. Et ici on est. Alors attends. Ok. Ok. Ça coûte cher ça? Ah ouais quand même. On s'en fiche. Allez hop. Je suis curieux de voir comment ça va marcher les zones d'évitement. J'ai encore jamais fait. Bah il faut que t'aies des trains qui se croisent déjà. Ce serait pas mal. Tu n'as pas mis entrepôt de maïs. Tu n'as pas une maïs dans l'entrepôt de Liverpool? Bah il y en avait pourtant. Bah va voir Londres. Londres nous laisse. Attends, le sel on n'a pas besoin, on va mettre du maïs à la place. Le sel il est pas nécessaire encore. Je crois pas. Entre Londres et Russell Terminus. Là il y en a un évitement et j'ai dû réussir à le faire pas trop mal au milieu. Ah bah si ça merde. Et où le deuxième train? Ah là il faut du sel. Là il faut du sel. À Londres? Ouais. Bah je vais faire un. Est-ce qu'on devrait pas construire une voie spéciale qui fait Londres et qui va rattraper Connor? Non. Non. Londres, Lynch et après Lynch, York. Non? Ça vous dit pas? Bah Cambridge en ce cas, il faudrait débloquer Cambridge. Il faudrait débloquer Cambridge. On peut hein, presque 150 000. Pour débloquer la... Ouais, on peut faire ça. Cambridge, comme ça tu fais la ville, ça fait du passager. On va faire ça. Après il y a les légumes à ramener. T'attends un tout petit peu, je te débloque Cambridge dans 2 secondes si tu veux t'amuser. Sarah Connor. Ah, les finances montent pas si vite que ça quand même. On les dépense bien sûr. Ah, le problème c'est ça, c'est qu'à 3. On est à 3 à dépenser comme des foutus. Pourquoi? Ah du coup moi je sais que j'y vais doucement parce que. D'avancement, ouais. Il nous reste un objectif après, le facultatif rentre pas en compte dans la liste des tâches. C'est-à-dire quand t'es à 100%, il peut te rester tes facultatifs à faire. Mais les facultatifs se font facilement. Mais c'est vrai que ça apporte rien au scénario. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, et puis ils se font assez facilement. Souvent c'est des rachats de concurrents. Ah. Tac. Je
te rachète l'est de l'Anglia, Fafa. Tac, on peut faire un... On peut faire une gare à Cambridge. Tu veux que je la fasse? Bon, allez hop. Je sais pas si je peux la mettre là. Yes. Ligne ferroviaire incomplète. La ligne que t'as fait, Fafa, elle marche pas. Attends. Juste pour rire. Prix de base. C'est moi qui ai fait le métier, je vais regarder. Pourquoi je peux plus l'avoir? Un million. Ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Pourquoi quand je double-clique sur la ligne, j'ai plus rien? Bah parce qu'elle est cassée. Elle arrive plus à circuler. Attends, bouge pas. Je suis en train d'essayer de trouver pourquoi. Attends, je vais essayer de regarder un truc, voir. Je pense que c'est juste qu'il n'y a pas la boucle bout. Je sais pas. Est-ce que là, tu l'as récupéré? Putain, j'arrive pas à passer au-dessus. Ouais, d'accord. T'as changé quoi? Je vais essayer de passer en dessous. Sens de circulation. Sens de circulation ou ça? Il y a un souci bah, sur la ligne, comme c'était une boucle. Mais du coup, on a un souci quelque part. Non, je sais où il est le souci. En gare de Liverpool, il peut pas changer quoi? Je sais pas si on a la place pour mettre un triple. Hein. Bah si, si on le détruit, normalement, on doit avoir la place à faire un triple à la place. Mais faut retirer le truc d'eau, en tout cas. Non, putain, il veut pas faire. Non, non, la grille existante et mettre une triple. Non, mais justement, une triple, ça prend plus de place qu'une double. Et avec le truc d'eau, on n'a pas la place. Bon, hé. Hey. T'inquiète, Fafa, je fais autrement. Non, mais si, attends, on va le détruire. Je vais me raccorder là, direct. Regarde ce que je viens de faire. C'est quoi le sens des voies, là? Ça dépend dans quel sens je fais la boucle, en fait. Ouais, non. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va fonctionner alors. 10 000 balles, 18 000 balles. Non. T'as des trucs de d'eau? Non, j'ai touché à rien. J'ai entendu un bruit bizarre. Non, par contre, quand j'ai renforcé le sens, bah t'as. Y'a plus rien. Ok. Là, tu pouvais pas le mettre plus près. Non, c'est le plus proche là. Alors, j'ai Cambridge. J'ai Cambridge, Fafa, par contre. On avait dit quoi? Lynch, après? Alors, attends, parce que du coup, il est où le nord? Il n'y a pas une touche pour me centrer au nord là? Non, je le fais par rapport à la carte. Moi. Ouais, moi pareil. Bah oui, c'est toi qui voulais faire. Oula, c'est une ligne de Dux. Ah, mais Cambridge, ça va devenir une grande ville. Pourquoi? Parce que t'as doublé direct? Ouais. Mais il faut qu'on agrandisse Londres, la gare est trop petite. On va pas s'en sortir là. Ah, j'ai presque envie de faire ça en fait. Pour faire du tissu juste à côté sinon. Voie ferrée, terrassement, 130 000. Et là, si je me raccorde là, 77 000. Oui, puis Oxford, tant qu'à faire. Attends. On rachète ou on fait une nouvelle? On peut racheter. Moi, je suis chaud de racheter, mais c'est. Fafa, comment je peux raccorder. Cambridge à Lynch. Est-ce que je peux faire un truc comme ça? Sachant que Lynch, il y a que elle est en double sens. Est-ce que je peux faire ça? Bah le problème c'est que tu peux pas rajouter de signaux, donc c'est ça qui. Où est-ce que je construis un autre quai Moi j'aurais dit de rajouter un autre quai et voir tu fais au début parallèle pour pouvoir mettre une grille. Ouais. Au début, tu suis un petit peu pour avoir la place de faire une grille. D'accord. Rattrape juste après Connor. Hein. Et après, je rattrape Cambridge. Et attends, je suis sur lequel là? Je suis sur le premier? Non, sur le deuxième. Ouais. Les gars, j'ai un projet pour 400 000. Est-ce que ça va, c'est possible? Bah, tout de suite, non, mais maintenant, oui. Sauf quand Bruno il va valider. Ah, ouais, attends. Après, ouais. Après, effectivement, t'aurais fait parallèle jusqu'à quasiment Connor. Ça sera peut-être t'as fait une sacrée voie là, Bruno. Attends, c'est où Cambridge? Ouais. Ah oui, par contre, ta deuxième voie. Tout à fait. Ah ouais, t'es pas du bon côté là. Ah, j'ai fait. Je tente un truc comme ça.
Est-ce que là ça peut marcher là au niveau de Fafa, au niveau de Lynch? Bah ouais, après je sais pas trop, c'est avec la partie, la voix qui va directement à Connor. Non, la voix en sens unique elle marche plus là. Ah, quoique. Ah, si ça va fonctionner, je pense. Bah non, il y a un train qui est en panne. Oh, il est juste en panne dessus. Il a de la bière. Putain, elle va tourner la bière. Merde. Non, c'est de la pomme qu'il a. Ah. On n'a pas encore de quoi faire l'alcool? Ah oui, c'est de la pomme, autant pour moi. Non. Je sais plus dans quelle ville on va faire de l'alcool. Ah si, ouais, sinon, à Birmingham. Birmingham, faut faire de l'alcool, il faut des pommes et du sucre. Eh bah, ça tombe bien parce que les pommes, elles arrivent et le sucre, il doit y en avoir. Comment je raccorde après Lynch, là, Fafa? Parce qu'en fait, là, j'ai une voix ici qui en... Bah non, en fait, on s'en fout. Bah Lynch, on la laisse en... Bah non, Lynch, j'aurais voulu la raccorder à York. Et oui, bah tu repars dans la continuité de... Et je raccorde direct. Puis de toute façon, vu que t'as fait une grille, tu prends sur n'importe lequel. C'est pas très beau ça par contre. Ouais, on va tenter. Attends, je regarde vite fait. Ok. Pourquoi je peux pas dégager ça? Parce que la production, tu peux pas. Ah merde, putain, oui. Par contre, tu passes en dessous, ça va le faire. Là, après, tu relèves un peu pour que ça te fasse pas le tunnel. Ok, et... Évidemment, des fois, c'est ça qui est... Ah putain, il me fait des ponts. Il y a du dénivelé. Il y a H. Un peu... Fais H, monsieur, tu vois. Ouais. Et là, tu vois que ton dénivelé doit être dans l'autre sens, même. Il faudrait que tu ailles plus près côté mer. Oh, mais attends, putain, c'est pas comme ça que je veux le faire. De relier quoi? Ah, non, mais. À York, là? Ouais, mais c'est Lynch. Lynch York, il veut faire. C'est pas fou. C'est pas fou. Bah, faire une boucle. Faire un trajet plus direct, en fait, pour faire York vers les villes du sud. En plus, il y a une mission amener des pommes à York, je crois. Je sais plus comment tu vas voir. Je peux te casser la tirelire? Ouais, vas-y, parce que de toute façon, le temps que je planifie tout ça. Ah. Allez, je vais dans mon gros projet. C'est n'importe quoi ce que je fais. Bon, ça va pas du tout. À moins que je me raccorde en bas, peut-être. T'as racheté qui? Oxford. Oxford. Et après, tu fais quoi? Tu te raccroches sur la mainline? Sur Londres. Alors, je vais refaire un nouvel accès à Londres parce que ça va être le bordel. Comment je fais pour afficher... attends, je veux une nouvelle... Merde. Pour prendre la suite. Bah, tu recliques sur ton point, normalement. Bah, il veut pas. Ouais, non. Vu que t'es en... Vu que t'as un truc en construction en cours, il doit te bloquer. Bah, tu vas aller où, là? Tu veux faire quoi, Bruno? Je voulais raccorder York, mais plutôt comme ça, tu vois. Dans l'autre sens. Ah. Tu vois, je voulais faire un... Ah non, Ah oui. Sur le quai de la gare. Ouais. Non, mais... Parce qu'en fait, là, la partie haute, en fait, de York, là, elle est... Il y a trop de dénivelé. Ça me fait faire un pont ou des tunnels. Ouais, ça fait cher, hein, 177. Je sais pas. Je sais pas si on peut optimiser un peu. Semble tourner en notre faveur à Birmingham.
Jusqu'ici, tout va bien. Vous avez suffisamment passé de la pommade aux gens de Birmingham. Et la Great Western n'a pas obtenu la concession pour cette région. C'est une victoire pour nous. Nos concurrents font profil bas pour l'instant. Mais il faut se méfier de l'eau qui dort. L'attaque constitue la meilleure défense. J'ai besoin de thunes. De commencer à s'étendre. Vous voyez la ligne privée. J'ai besoin de 174 000. Birmingham. Pensez que c'est possible ou... 56 000. Combien ? 56. Ah, vas-y, fais, je vais avancer. Bah, de toute façon, le temps est avancé. Vous avez le droit d'acheter des petites lignes comme celle-ci. N'attendez pas, anéantissez la concurrence. Ah, ça y est, on peut acheter les lignes privées, je crois. Provoqué par la Railway Mania, c'est ce qu'il est en train de dire, je crois. J'en ai déjà acheté. Non. Ah bon ? Je sais pas. Il dit qu'on pouvait acheter des petites lignes. Oui, non, mais. C'est juste bugué, c'est pas synchronisé, c'est tout. Acheter des petits trajets, ça c'est fait. Atteindre le statut express sur une ligne ferroviaire entre Liverpool et Carlisle. C'est pas dur ça. Liverpool et Carlisle. Bah attends, je t'en mets en express. Ok. Non, c'est, vous avez 100 matières premières action. Ça m'intéresse pas. Bon, fou. Alors, vas-y. Nouvelle ligne, express. Carlisle. Ça, tu vois, c'est pas bon parce qu'en fait, ça fait une boucle. Ça, on va pas pouvoir faire une ligne express entre Carlisle et Liverpool avec votre boucle. Si, hein. Bah, je crois pas, hein. Je crois qu'il faut pas qu'elle fasse deux fois plus que la longueur de que. Ah, t'es pas obligé de faire la boucle, tu peux passer en double sens. Bah, tu peux pas. Ah, bah, non. Sauf si Fafa a changé. Non, non, vous êtes en sens unique. Ah, t'as mis en sens unique, Fafa, finalement. Oui. On va tenter, on va mettre une loco. Moi, j'avais fait des voies de croisement. On va mettre une loco express et on va la mettre en express. Si tu retires le sens unique, ça va rouler. Non, attends, on va déjà faire une tentative pour voir. Ou sinon, on double, hein, on a un peu d'argent maintenant. Votre ligne actuelle circule sur de longs tronçons sans direction. Hein ? Quoi ? Non ? Bah oui. Je peux ramener des légumes ou pas ? Ouais, vas-y. Bon, on teste, on va bien voir. On va le laisser partir. On va voir si on arrive à avoir le statut express dessus. Livrer 4 chargements de légumes à York. Ok, pas de problème. Fafa s'en charge. Et quand on aura la thune, on fait le Lynch York. Pour la suite. Merde. Pourquoi ? Oh putain, je ramène des légumes dans l'autre sens, j'ai ramené des légumes sur Cambridge. Ah merde. Ah bah il faudra faire un petit... Non, ça m'intéresse pas ça. Est-ce qu'on va avoir le statut express là-dessus ? Ah putain, je vais être bloqué. Ah, je vais être bloqué par celle-là qui est en mixte. Merde. Ah bah de toute façon, ouais, c'est le problème, après c'était bloqué par les trains. On aura pas le statut express. Je pense pas. Comment ça se fait par contre, Cambridge ? On peut pas faire d'extension ? Cambridge, où est Cambridge ? Cambridge. Comment ça, pas d'extension ? Bah. Non, parce qu'elle est pas. Ah si, non, t'as pas cliqué sur la bonne gare. Je suis sur la 2, la nôtre. Bah, si, ça marche, qu'est-ce que tu veux ? Bah, un dépôt de maintenance. Hop, tiens. T'avais peut-être pas l'argent au moment où t'as cliqué dessus. Bordel. Ah putain, elle est en arrêt. On n'aura jamais la ligne, le statut express. C'est pas possible. Ça avance pas sur votre ligne. Et on la double. On a 300 000 là. Au moins Liverpool, Carlisle. Après le reste, je sais pas. Peut-être pas besoin, mais. Parce que là, il est arrêté où le machin ? Et il est arrêté là. Et il est arrêté là pourquoi ? Parce que. Ah, mais parce qu'on est ensemble. Ouais, non. Il faudrait qu'on mette en double sens en fait. Tu mettais en double sens ? Ouais, mais comment je fais pour mettre Liverpool ? Enfin, il n'y a plus de voie. Faudrait que je fasse. Attends. On va agrandir la guerre. Pas Liverpool. Non. Je vais faire autre chose. Fafa, est-ce qu'on peut péter le sens de circulation
qui va de là. Alors attends, construction des voies. Est-ce qu'on peut faire une voie parallèle qui fait ça jusqu'à Oh non, non, ça va pas le faire. Je sais pas comment faire. Bah normalement, quand les voies parallèles sont censées être moins chères. Ouais, mais en fait, moi, ce que je voudrais, c'est être plus rapide là sur le trajet qui fait Liverpool Carlisle. Mais attends, là, je suis en double. Là, j'ai une voie de dépassement ici. En fait, presque, il faudrait faire un direct, en fait. Parce que là c'est trop le bordel. Attends, sinon, je... Sinon, tu... Non, non, mais attends, c'est juste pour valider ton... Bah, ouais. Ta mission, là. Oui. Bah, supprime le train, là, qui fait la boucle. Tu supprimes le train, tu fais un train qui fait Carlisle-Liverpool, tu débloques la mission. Bah le truc, une fois que t'as validé, bah tu remets le train. Tu remets le train. Non, parce qu'en fait, pour moi, il va pas... ça va pas le faire, parce qu'en fait, t'as une boucle, ça fait Liverpool, Carlisle, après ça redescend côté York. Et en fait, t'as trop de trains sur cette ligne-là. Eh bah, ben, non mais là, le Liverpool... D'ailleurs, c'est lequel je sais. Celui qui fait toute la boucle. Ouais. Tu le shootes. Alors en fait, on a pas pu vite fait de faire une voie, de mettre un truc express dessus, et de la revendre après. T'as une solution qui va te coûter que dalle, c'est que le train là qui fait tout le tour, c'est super. Liverpool, Amsterdam, machin, hop. Parce qu'on supprimer, pof, voilà, ça y est, il est plus. Oh là, qu'est-ce qu'il nous fait, Fafa? Il nous donne de l'argent. Je t'ai fait de la place. Ça va être le bordel. Je t'ai fait de la place. Et là, tu veux que en fait mon train soit super rapide? Mets ton train super rapide. Bah, il est déjà, en fait, il tourne. Je sais pas où il est, mais... Ok, il est là. Il est en train de partir. Donc, je vais le suivre. Donc là, il va aller à Carlisle. Et après, il va pas être bloqué, tu crois? Mais si, t'as des trains encore. T'as encore un train à York, t'as encore un train à Manchester. Mais non, mais là, toi, tu veux faire Carlisle-Liverpool, donc faut le faire en direct. Ah, mais alors, c'est aller-retour. C'est aller-retour. Il faut qu'il revienne là où il est. Bah oui, mais... Ah tiens, il est bloqué. Tu vois, il s'arrête. Il s'arrête parce que... Bon, pourquoi il s'arrête, là? Bah, il s'arrête parce que t'en as... On est en pause. Ah. Je suis en pause. Ça m'arrangeait bien, moi. Attends. Parce que là, il y en a un qui est à Amour. Il y en a un qui est à Amour. Ah ouais, non, il là, passe. Il est sur la voie. Ok, il est sur la voie de dépassement. Donc là, il y va. Par contre, c'est lui, ouais, effectivement. Le Mour... Donc là, il s'arrête en cours de déchargement. Ok. Tac, 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 tac. Il fait quoi ce train-là, Moore? Il fait que ça? Ah, mais ça, c'est un truc. Ah, il part dans l'autre sens. Attends. Ah oui? Ah, parce que tu lui as enlevé. D'accord, ok. Ok, ok. Oui, ça fait longtemps que j'ai enlevé. Donc là, il va me valider peut-être l'express. Je crois qu'il faut deux allers-retours hein, pour le valider l'express. Il le valide pas après, du premier coup. Je sais pas combien. Je suis pas sûr. Vitesse moyenne. De 41 km/h. Pour l'instant, on est à 0. Il est pas à 0, il roule à 55. Non, il va être chronométré quand il aura fait l'aller-retour. Il en a pas encore fait un seul. En fin de compte, c'est bien de vous regarder jouer. Je pense être trop bête pour y jouer personnellement. Non, franchement, moi je suis un gros neuneu dans les jeux de gestion et ça passe. Après, là, on se prend un peu la tête parce qu'on a plusieurs passe. Sur la partie en plus. Alors, est-ce que ça. C'est bon, c'est validé. Que nous réussissons si bien. C'est validé, Fafa. J'ai servi dans oh bah c'est bon, donc tu... ouais. On peut le supprimer ton train. On peut le supprimer, ouais. Modifier la ligne, non. Je supprime la ligne carrément, tu remets ton truc comme t'avais mis. Ouais, je vais remettre... Allez, hop, vas-y. Je m'amuse, hein, moi, vu qu'il y a... Ouais, vas-y, vas-y. Il y a encore des légumes à ramener à York. Enfin, il fait quoi?
Oui, bah les légumes, je sais plus, j'ai mis un train ou pas? Non, je crois que je suis parti, j'ai pas mis... La ligne existe? Flo, tu regardes pour les légumes, je regarde un petit peu de chat. Attends, j'ai une question, vous pouvez peut-être m'aider. Je suis à la recherche d'un jeu de bus avec carte réelle. Fernbus, où on peut gérer les arrêts. Ouais. Qui a été, il me semble, présenté sur cette chaîne. Ça peut être Fernbus. Fernbus, ouais. Le jeu est présenté sur la carte à côté de chez lui. Ah, non. City Bus Manager, je crois. Bus City Manager, ouais. Un truc comme ça. C'est un jeu, en fait, où tu voyais... C'est de la gestion. Tu vois ton bus, en fait, en vue satellite. C'est celui-là. C'est un jeu d'Aerosoft. Un bon petit jeu. Ah, Flo, il pose des tours de ravitaillement. Putain, on est presque demi-millionnaire, les mecs. Pas mal. J'ai foutu le bordel, hein, je vous préviens. Bon, Fafa, on voudrait bouffer de la soupe cet hiver. J'ai pas regardé aux légumes, Bruno. Attends, je suis parti... Fafa est parti chercher à la McGowan, non? Eh ben, alors ton morceau, là, Lynch... Ah, ben, il y a... Tu le fais ou pas? Eh ben, si tu veux, ouais, j'ai l'argent. Attends. Parce que si tu le fais, ça veut dire que le... Vas-y. Les légumes, moi, je te les remonte à Lynch, enfin, à part... Eh ben, vas-y, je te le valide. Je te le valide et je te mets une voie de dépassement, quelque part. Par contre, le problème, c'est quand il va arriver à York... il va avoir un sens. Ah bah non, puisqu'il est en gare. J'ai peut-être rendu inutile une voie. Alors attends, je vais faire un truc comme ça. Hop. Ok. Quand tu fais une voie de dépassement, t'es obligé de lui mettre un sens, Fafa? Je pense pas. Parce que là, regarde, là, tu vois, j'ai fait un... Après, je sais pas, parce que normalement, dans le jeu, ils te disent que ça prend toujours le plus court. Les trains prennent toujours la route le plus court et peuvent utiliser les voies ferrées dans les deux directions. Ok. Si vous voulez que plusieurs trains... Non, ok. Bon. Je sais pas si vous savez, vous pouvez choisir la voie dans laquelle le train va s'arrêter. En gare, oui. En gare. Tu peux choisir les marchandises, mais je sais plus où, mais... Bah, au même endroit. Quand tu fais ta ligne. Fafa, fais une tentative de là où tu es jusqu'à York, juste pour voir si ça prend la petite voie que je viens de créer. Attends, faut que je vire un niche. Attends. Ah oui, c'est ça, c'est quand tu es... Quand tu as ton itinéraire, t'as la petite flèche, et là où tu peux choisir ta voie, et... Ça a l'air de marcher. Attends, là... Si, c'est bon, donc, elle marche. Vas-y, je te laisse la faire. Ouais, bah c'est fait. On peut jouer à Rayo Empire 2 sans avoir déjà joué au 1? Oui, complètement. Moi, le 1, je l'ai juste lancé, en fait, et j'avais jamais eu le temps d'y jouer. Je l'ai, le 1, mais j'ai jamais eu le temps d'y jouer. Et parce qu'en fait, l'éditeur m'avait envoyé le jeu, il m'avait envoyé tous les DLC pour que je le présente, et en fait, j'ai jamais pris le temps. Je crois que j'avais fait une petite session sur un DLC Japon, un truc comme ça. Et en fait, le 2, j'en ai entendu parler bien avant qu'il sorte. Games Planet m'a bien boosté dessus en disant, tu vois, il est bien. Et en effet, il est vraiment bien. Et puis, il y a le multijoueur. C'est le top. Moi, j'ai pas joué à Railway Empire 1. Par contre, j'ai joué à Railroad Tycoon 3. Et franchement, il y a quand même pas mal de similitudes. Mais c'est pas du tout ses licences, perso. Après, profitez-en, je crois que c'est jusqu'à fin juin avec le code Simurai là, sur Games Planet. Vous avez moins 19% sur le jeu, je crois. Enfin, c'est la petite annonce que Wizbot n'arrête pas de vous mettre depuis tout à l'heure. Sinon, c'est moins 10% seulement. Moins 10 ou moins 15, je sais plus. Je vais regarder un petit peu les recherches, là, ce qu'on peut avoir. On peut avoir un nouveau train express, si vous voulez, qui va à 68. Et faudrait qu'on fasse une ligne express alors. De toute façon, on va le valider. Hein. On est obligé pour aller sur le truc d'après. Tender à condensation. Un tender permet de récupérer les fumées émises par la locomotive. Réduit comme ça. Ok. Ah bah tiens, ça peut être pas mal ça. Ah, attends. Système de freinage à contre-pression. Les besoins de maintenance sont réduits de 5%.
Allez, on va prendre ça. Surtout pas que ça vous rentre à la tête. Tac. Encore en train de flémarder ? Aucune discipline. Au moins, vous avez accompli vos tâches. Bonjour. C'est le conseil d'administration de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là ? Je voulais juste prendre le temps de vous remercier au nom de tous pour votre travail. Bon, bah, tu viens d'avoir une cargaison de légumes à York. Impeccable. Bah, de toute façon, elles sont toutes arrivées. Hein. Encore plus de vous. Puisque ça a validé l'objectif. Complimenter mes employés dans mon dos. Flattez-les trop bah ouais. Et ils deviendront gras et fainéants. Quel culot. Vous avez salut El Diablo. Parler de la Great Northern Railway. C'est un dangereux ennemi qui pourrait nous faire mordre la poussière si vous n'agissez pas. Alors, acheter 4 trajets privés. Donc Flo, on a déjà acheté un. Avoir 80% de voyageurs qui prennent le train de Carlisle à Plymouth. C'est où Plymouth? Livrer 4 chargements d'alcool à Londres. Ah, est-ce que la bière c'est comptabilisé comme de l'alcool ou pas? Non. Ah, crotte. Non. Par contre, c'est où? C'était pas Birmingham qu'ils ont fabriqué? Birmingham, c'est de l'alcool, ouais. Ouais, Flo avait amené des pommes et du sucre. Bah, normalement, les pommes et le sucre, ça devait être bon. Hein. Bon, les 4 trajets privés, on n'a pas trop le choix, il nous faut de la thune, hein, tout simplement. Je sais pas où il y en a 4. On peut en acheter un, il y en a un autre là. Oui, écoute, celui-là. Je suis en train de dépenser de la thune. 350 000. Ouf. Celui-là, 350 000, ça fait déjà 700 000. On est en plein. Et il m'en manque un là. 4... Oh. Par contre, je vois pas. L'alcool, on en fait 0,8 à Londres, il en consomme 0,7, mais. Il nous faut. Juste le temps, Hein? Tu nous mets le temps en. Ouais, il nous faut 1 150 000, les gars. Vous avez fait que la Grande-Bretagne ce soir? Bah, ouais, on n'a pas fini encore. On n'a pas fini. Je sais pas si on va la finir ce soir. Le jeu prend du temps, quand même. Ouais. C'est un petit jeu posé, hein. C'est pas mal. Hein. J'ai mis 7 heures, quasiment, pour faire la première campagne. Ah, je crois que j'avais mis 10 heures, moi, non? Ouais, ouais tu m'avais dit 10 heures. Là, dans les lignes, il y a... Putain, vous avez pas pu choisir la France. Brighton, Hastings Railway. En gros, on a des gares à côté. Bon, ça, je pense que c'est une gare, on pourrait l'acheter et après supprimer la voie. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais si on veut gagner de l'argent pour acheter des voies privées, et on peut supprimer des voies et puis c'est bon. On perd moins du moins. Ouais. Voilà. Là, je suis complètement au niveau de Dover là. Attends, Dover est en haut. Non. J'ai pas vu Plymouth. C'est où Plymouth? Tout au sud. Plymouth, c'est au sud-ouest. J'allais mettre ça au bord de l'eau, mais oui. Ah oui. C'est à nous ça? Ah ouais. Ouais, je suis en train de construire seulement. Mais okay. Côté Dover, donc sud-est là, il y a un petit peu de clic, de toute façon, voilà, on l'a. Carlisle à Plymouth. Oh la vache. Attends, j'ai pas compris. Avoir 80% de voyageurs qui prennent le train, eh ben c'est pas dur. Tu les mets. Tu fais une ligne directe en fait. Carlisle Plymouth. Tu l'as faite ou pas la ligne, Flo? Il y a une ligne, ouais, j'ai une ligne que j'aurais utilisée. Attends, une Carlisle Plymouth? Non, pas d'un bout à l'autre. Non, mais faudrait faire un direct en fait. Vas-y, si tu veux. Et un direct 100% voyageurs. Non? Si tu veux. Parce que sinon, Bristol, tu rejoins Gallagher. Birmingham, et puis ça fait un. Alors, je peux pas faire un Plymouth-Carlisle, déjà. Il y a un problème. Il y a un endroit où ça coince. Bah, là, on est dans la gare, déjà. T'as tout rattaché, Plymouth? Ah, attends, là, on arrive là. Bah, on arrive à Londres, mais il faut... Attends. À Londres, il n'y a pas moyen de passer d'une voie à l'autre, je crois. Non? Ouais, c'est le problème, ouais. Après, il suffit que tu fasses un arrêt à Londres et tu repars en sens inverse. Ah, non, bah si, attends, ça. Londres. Mais si, Londres. Tu peux continuer par là, normalement. Si, en plus, c'est une voie qui n'est pas utilisée, que tu utilises. Londres, on arrive là, et on peut repartir. Non, mais pourquoi il veut pas? Londres, si, normalement, tu repars. Hein. Tu arrives de... Attends. Elle est où, là? Si, c'est ça, t'as raccroché Bristol, Knowledge. D'ailleurs, pourquoi bah, ça... Je comprends pas pourquoi il veut pas me raccorder, en fait. Je suis seulement en train de construire, hein. Peut-être que j'ai... Ah, t'as peut-être pas fini, encore. Est-ce qu'on est obligé de descendre à...
à Londres. Est-ce qu'on peut pas faire un... À Bristol, il doit y avoir un souci à Bristol, parce que dès que je clique Bristol... Ouais, t'as pas mis de grille encore à Bristol de l'autre côté. Ça doit être ça, peut-être. Ah oui, il y a zéro grille. Attends, je les mets. Il y en a une d'un côté, mais il doit manquer une de l'autre. Toc, je mets les deux. Voilà, hop. Alors, vas-y, nouvelle ligne. Plymouth, Carlisle. Ouais, ah, si. Ah, attends, il calcule. Ouais, c'est bon. Alors, attends, ça va faire ça. Ok, il peut faire l'échange. Tac, Londres. Cambridge. Lynch. Oh putain, là, il me fait un truc bizarre. Non, il y arrive, il va changer de voie, il part en arrière. Qui nous rejoint? Inject. Bienvenue. Et puik. Alors, on repart par là. Hop, et ça a l'air de le faire. Et ben, on va se mettre les derniers trains qu'on a eu là. Le continent. Voilà. Train express. Tac. Bon, j'en fous un, hein, juste pour voir s'il me valide le truc. Votre ligne ferroviaire n'entre en gare de York 3 que pour faire demi-tour. Ouais, je sais. Ça peut prendre du temps, c'est pas grave. J'ai racheté une compagnie. C'est pas grave parce qu'on me demande pas de la mettre en express celle-là. Salut Iron Grimgore. Ah, Inwell, merci Inwell pour le sub offert à Madvurt. Madvurt. Flo est en train de tout dépenser l'argent. Ouais. Claque tout. C'est bien, c'est toujours ce que je fais. Réduit de 5% supplémentaire les coûts facturés dans le bureau du personnel. Ouais, contrat à long terme. Des contrats à long terme pour les locomotives et les fournitures. Diminue de 5% le prix des nouvelles locaux. Non, je préfère celui-là. Ok. Normalement, elle devrait... si elle est en route. Ah, elle est en arrêt. Pourquoi elle s'arrête? Je vais mettre un accéléré. Ouais. Centré sur le train, c'est où? Hop, là. Donc là, il va à Londres. Par contre, attends, il y a un problème. Il est parti sans voyageur, mon train. Il avait la flemme. Bah oui, mais bon, la flemme, il me coûte des sous, là. Je valide la campagne dans dans numéro 1, c'était chouette, ouais. Oh, alors, attends. Ok. Bon, la 2, elle est chouette aussi, hein. C'est vrai que d'être à 3, en fait, on fait beaucoup de dépenses. Chacun dans notre coin. Ah bah oui. Bon, moi, ça va, je dépense pas trop, je regarde, mais... Acheter aussi, 4 trajets privés. Je rappelle quand même que pour acheter les trajets privés, les gars, il nous faut au total plus d'un million. Je vois que Flo en a racheté un deuxième. J'en ai acheté un deuxième, moi. T'as acheté lequel? Bah, Plymouth. Ouais. Parce que du coup, est-ce que si de regarder à acheter un, qu'on détruit après? Bah, ouais, sinon, celui en bas, qui va chercher le sucre, en bas, la map, là. On peut garder la gare de sucre et supprimer celle de V. Oui, mais après, t'as encore plus à l'est. Douglas Murphy. Douglas. Il faut 7-8 heures pour finir la campagne numéro 1. Inject. Il y a beaucoup de réseaux encore. On a bientôt les 450 000. On pourrait attendre, l'acheter, détruire et voir combien on regagne en détruisant. Bah, tu vas gagner 50 000 par gare. Et puis quoi, 20 000 pour la ligne. Ah putain, je suis coincé à cause de qui là? Oh la vache. Ah ouais, d'accord. Tu viens de racheter un truc? Ouais. 47 500. C'est même pas 50 pour une gare. Non, bah non, mais c'est le prix d'achat. 2 fois 47 500. C'est laquelle que tu démarres? Bon, on va attendre qu'il arrive, on va se croiser. Et on va pouvoir repartir. Ok, on a des nouveaux objectifs? Non. Non? Non, j'arrive pas, Flo, à voir le 80% de voyageurs pour l'instant. 307, 397, presque 400. Donc là, en gros, la ligne, là, en la détruisant, ça nous a coûté que 50 000. Et donc, on peut en faire une... Là, on est à 500... Oui, mais après, l'autre, c'est peut-être effectivement ce que tu disais, de la racheter, de garder le...
Putain, je suis à 400 000. Je suis super emmerdé là. Tu le fais, Bruno ou... Attends, j'essaye de voir pour les. Pour les 80%, mais. Il faut que tu mettes plus de trains. C'est tellement loin que les gens ils attendent pas. En fait, je suis bloqué, Flo, regarde. J'ai un train qui fait chier, qui arrête pas de faire York Lynch, et en fait, il monopolise la voie. Passe par là. T'as des fruits pour monter. Bah ouais, mais. En fait, il me bloque. En fait, il me bloque. Ah, tu passes en double voie. Je peux pas. Enfin. Ah, jusqu'à ton virage. Je pourrais, ouais. Bah, ouais, même en gare. Hein. Ah, mais en gare, ça va nous coûter un bras. Ah, c'est bon, on a 380 000. Attends, vas-y, je veux bien essayer, hein, mais. 230, ah ouais, ça va. Attends, je prends ça, je vais faire suppression de celle-là, tac, et là après on va remettre le sens de circulation. Par contre, okay. J'espère c'est que la grille de 4, est-ce qu'elle va passer? J'utilise pas souvent les grilles de 4, moi je fais deux grilles de 2 et je raccorde après. Ouais, mais le problème c'est que deux grilles de 2 passent pas non plus. Bah, les grilles de 2 c'est court. Oui, ah mais... merde, pourquoi je peux pas mettre. Enfin, moi je suis coincé, je peux pas mettre une grille de 2 là. Ouais, parce que. Ah si, bah, c'est bon. Si, ah putain. Mais la merde. Ouais, mais sauf que non, ça regarde bien. Ça t'a niqué la troisième voie. Ah, il faut que je mette une grille de 3 alors. Bah non, même pas, j'ai pas la place. Bah si, une grille de 3. Mettez une quatrième voie. Non, c'est bon, attends. Comme ça. Si. Ah non, ça se met sur Fetcher. Oh, la merde. Oh, la merde. Ah, t'as raison, ça me nique la... Oh, merde. Pourquoi vous faites 3 voies? Bizarre, 3 voies. Parce que c'est comme ça. Bah là, je peux pas. Il aurait fallu que je rallonge un peu mon truc. Putain, là, je peux pas. Là. Je peux pas. Je suis coincé. Et c'est pour aller où? T'as besoin de ligne, toi? Tu voulais non, pas aller monter tout en haut? Pourquoi tu veux passer par ailleurs? Bah non, en fait j'ai Mais là, attends, pas là, je dois traverser toute la map en gros, en diagonale, quasiment. Mais donc, fais une liaison à Fletcher plutôt qu'aller à York. Ta voie là, tu veux agrandir. Fletcher. Directement à Fletcher. Ouais, mais non, parce qu'en fait j'ai aussi Oui, si, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire Et t'es même pas obligé de passer en Fletcher, en hein, fait, si tu évites la guerre, évite-la. J'aurais pu faire un truc comme ça. Pourquoi pas. Par contre, là, tu dois... Comme ça, Bruno. Oui, bah ok, bah, j'étais en train de faire. Ah pardon, je voyais rien. Non, nickel. Ok, on va faire un truc comme ça, et alors faut que je check quand même la ligne. Oula. Ma ligne qui est la ligne qui fait. J'achète encore une gare privée. Je sais même plus en fait c'était quoi la ligne. Pimousse. C'est loin, moi je rappelle pas avoir eu celle-là de mission. Pimousse Carlisle. Panne. Ah putain, il est en panne. Et merde. Super. Ah oui, il est bien, vraiment en panne. Ah mais vous l'avez déjà racheté? Attends, c'est à nous ça ou pas? Ah ouais, c'est à nous ça. Comment je fais pour voir la ligne? Le petit bout, bon. Oui, j'étais. Le sucre là. Et tout en bas. Là, je suis en train d'y toucher du coup. Mais du coup. Tu veux le faire? Vas-y. Non, vas-y, pas de problème. Je savais pas que tu non, le faisais. Non, c'est. C'est avec le. Bah, c'est parce que je suis parti voir ce que disait Bruno. C'est avec le coup là du non, nord-sud. C'est bon. C'est bon. Ça devrait le faire. Y'a moyen de péter son cap sur le jeu? Non, c'est un jeu hyper posé en fait. Faut que tu dises aussi que tu peux pas. Tu peux pas vraiment faire d'erreur parce que. L'erreur est autorisée, genre tu fais une voie, enfin tu peux le régler ça dans les options. Si tu fais une voie et qu'elle est pas bonne, tu la détruis et t'es remboursé, complet. Chapitre 1, j'ai fini en 8 heures, avec 640 000, ouais, j'étais à peu près par là aussi, un peu 680 000 je crois. J'étais en directeur général. J'étais content aussi, c'était bien. Et j'ai passé un bon moment, j'ai fait ça en 6h30 je crois, 6h40. Bon, n'empêche que les 80% de voyageurs, bah, je les ai toujours pas, hein, Flo.
Je t'ai dit, t'as mis combien de trains sur la ligne? Bah oui, mais ouais, si. Attends. Mais en plein, parce que sinon ton train est tellement long à faire l'aller-retour. C'est vrai. Mais je suis déjà, ouais, mais je suis déjà sur du négatif en revenu. J'en fous, on veut juste remplir la mission. C'est pour aller où déjà t'es ton train là? Tain, ça coûte une couille. Et j'ai mis le truc super express en plus. Problème de trajet qui me met. Attends, c'est moi. De quoi? C'est bizarre parce que là, je viens de faire une intervention sur la voie. Ah d'accord. Une intervention sur la voie. Attends, il y a un train. T'as pas mis de flotte encore Ah merde. Mais non, mais j'ai pas construit de grande voie. Monsieur le bâtisseur. Moi? Bonjour. J'en ai rajouté au niveau de Plymouth. Ouais, j'ai pas encore mis de... Peut-être en mettre une là, quand même. J'en occupe. J'en ai déjà mis une, ouais. Mais au-dessus, sur le petit réseau, en sens unique. Attends, Plymouth est là. Non, j'ai mis Plymouth côté... ouais, côté voie unique, là. Ah ouais, je vois ça. Déjà. Nickel. Et je pense que... à mi-chemin avec Bristol, peut-être, non? Ouais, je le mets Fafa. Je suis dessus. Tac. Voilà. Donc j'étais en train de dire Plymouth, il y a 28 voyageurs pour Carlis. Et là on est à 100%. Ah donc c'est bon. 100%. Donc on devrait valider 100%. La mission. Utilisation du train pour des passagers. Il y a 7. Non, on est à 39. 39% moi j'ai. Non, prends ouvre le détail. Ah, il y a une enchère, les gars. On prend ou pas? Ah non, il n'y a pas d'enchère. Il y a une ferme, là. On veut nous vendre 168 000. Est-ce que vous voulez qu'on la prenne? Pourquoi on est tout à zéro, là? On a changé de journée ou quoi? Allez. Ça vaut vraiment le coup, quoi. Je sais pas. Parce que là, tu regardes, en fait, c'est ton... Faut que tu prennes sur la valise en haut. Et sauf que là, on a changé, donc tu vois, on est redescendu à. On était à 100%. Parce que tu vois, le premier chiffre. J'ai 86. J'ai 86%. Ah, ça doit être au changement d'année, on est revenu à zéro. Parce que moi, quand j'ai regardé, on était à 100%. Donc 86%, normalement, notre objectif, il est validé. Mais quand est-ce qu'il va être validé? Bah, c'est parce que là, les voyageurs, ils sont dans le train, peut-être le temps qu'ils arrivent. Ouais, peut-être. Je sais pas. Avoir 80% des voyageurs qui prennent le train de Carlisle à Plymouth. Ah, c'est dans l'autre sens en plus. Aïe, c'est peut-être Carlisle-Plymouth, c'est peut-être l'autre sens. Et là, c'est peut-être pas le même délire. Ah ouais, là on est à 0%. Mais ah parce merde. Que tes trains sont pas. Tes trains ils sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés. Donc il faut que je le suive. Attends, je vais regarder. Carlisle-Plymouth, tac. Pourquoi je peux pas cliquer? Ah si, attends. Bah, je peux pas... Ah, il est en panne. Il a besoin d'un dépôt de maintenance. Merde, elle est où? Ah putain, c'est pas vrai. C'est ça, sur les grands trajets comme ça, vu que là, il s'arrête pas en gare, à mon avis, il fait de maintenance nulle part. Donc là, à mon avis, il faut mettre des trucs de maintenance le long de la voie et pas dans les gares. Alors ouais, mais je sais pas à quelle distance c'est placé, j'en ai jamais placé moi de ça. Ou sinon, il fallait par exemple ton Plymouth faire Londres. Non, t'as pas le droit, c'est indirect. Bah si, ça marche. Je sais pas. Tu crois ? Puisque les trucs, il faut que tes gares soient équipées d'hôtels, machin et tout. Enfin, ah, attends. Dans les villes. Ouais, on va faire un truc. Je vais faire modifier le trajet. Et je vais rajouter de Londres. Je vais rajouter de Londres dedans. Hop. J'ai plus où est-ce que c'était ça, mais ça le mettait. T'avais certaines conditions. Confirmé. Yes. Et on va non, pas se mettre façon, en. Là, c'est juste un... On va se mettre en express. Wagon postal, wagon, voiture. Non. Toc. Et on va faire OK. Et après, je sais pas où est-ce qu'il y a un autre truc de... On va voir. Par contre, quoi ? Ah, on a Londres qui est en train de diminuer. Réponse à la demande, 38%. Merde. Ouais. Bah attends, pour l'instant, on s'en fout, on a aucun objectif sur Londres. Ouais, mais ça nous fait de l'argent. Donc là, j'en ai un qui...
ramène pas d'alcool à Londres. Je te dire s'il s'arrête à Londres. Là, maintenant, s'il est à 54% et il est en train... Il s'arrête, mais je voudrais bien voir si ça... Si la maintenance fonctionne. Pour l'instant, la maintenance, elle fonctionne... Il a pas fait sa maintenance. Il repart avec 50%. Ah si, c'est bon, il repart. C'est bon, Fafa, ça va le faire. Le train devrait plus tomber en panne. Par contre, si... Ah, il était... C'est un nouveau train que t'as fait ? Ouais. Non, j'ai juste rajouté Londres, en fait, dessus. D'accord. Non, ce qui... Bah, du coup, ouais, ce qu'il faudrait quasiment, c'est le suivre... Limousse, Carlis, 2... Ah, c'est le train numéro 1. Même ou pas ? Ah, j'ai peur que même de Londres jusqu'à... Jusqu'à Carlisle, j'ai peur que ce soit trop long, quand même. Non ? Ouais, du coup, il faudra peut-être... C'est pour ça qu'il faut regarder un peu. Je vais faire un bypass. Non mais ça le fait, là je suis à 80% de 80% de dommages. Est-ce qu'on a un dépôt de maintenance à Carlisle? Il faut. Sinon il peut pas repartir. Flo il est en train de reconstruire toute l'Angleterre. Bah ouais. Oh bordel. T'entends galérer. Alors là il va s'arrêter mettre de l'eau. Yes. Non mais on galère pas là, c'est juste... Ah, tâche terminée, attends. Oui, mais non. C'est bon Fafa. Non, mais non, justement, on voulait voir. Il n'y a pas des trucs partout. Fafa, c'est bon. Les 80%. On est ça. Il faut juste de l'alcool à Londres. C'est tout. Je sais pas comment. Ah. Qui produit de l'alcool ? Birmingham. Eh ben, pourquoi vous avez pas fait un direct Birmingham-Londres en alcool, en fret ? Parce que normalement ça vient tout seul. Moi je me demande si on va pas peux, faire tu peux forcer, tu peux forcer un peu le truc. Oui. Je me demande si on va pas faire un express plus un fret. Je vais faire un fret spécial alcool. Attends. Mixed, hop, je vais mettre en fret. Là, stop. Regarde en haut là, tu vois, t'as où ça marqué Birmingham complètement. Ouais. Non. Complètement à gauche. Non, ouais. À gauche, ah oui, ok, et tu peux désélectionner des trucs ? Ah non, modifier. Là, et là, et là ben. Voilà. Et là, là tu vois, tu peux, en haut, tu choisis sur quelle voie il va, et après, tu peux. Alors, soit dire, je veux pas telle marchandise, soit la mettre en prioritaire. Donc, bah, je vais la mettre en prioritaire, je vais mettre l'alcool. Vas-y, clique dessus pour avoir la flèche. Clique sur l'alcool. Non, ça l'a pas pris. Là. Bah, si, Birmingham. Non, mais vas-y, reprends ton. Rouvre ton truc là. Parce que là, en gros, t'as plus que l'alcool. Oui, c'est ce que je veux. Clique dessus pour avoir la flèche verte. Ouais, là, ça y c'est est. Alcool en prioritaire. Et après, tu peux mettre autre chose. Tu peux laisser quand même les autres, ok. Voilà, et ça veut dire que tant qu'il y a l'alcool, ça prendra l'alcool, puisque c'est prioritaire. Et ah, après, j'avais pas fait gaffe. Tu peux même... T'as même ton nombre de wagons, si t'as vu. J'ai vu ça, ouais. Et la voie. Par exemple, si t'as une zone où t'es en pente ou n'importe quoi, bah tu mets... Non. Non, attends, hop, ça non. T'as des zones en pente et tout, t'as fait des grosses montées, tu veux pas des trains ralentissent trop, bah tu réduis ton nombre de wagons. Alors, j'aime bien parce que j'ai mis alcool, mais il a pris que un alcool. C'est pas grave, il y a au moins un alcool qui va à Londres. Regarde en stock. Bah, y'en a pas. C'est peut-être pour ça, y a trop voilà. D'alcoolo. Mais comme ça, au moins, du coup, ton train, il roule pas vite. Ah, y a marqué problème de production. Je sais pas pourquoi. Bah parce qu'il doit manquer de... Il manque... Il est où ton sucre ? Il y a 12 pommes. Ouais, mais il n'y a pas de sucre. Et il arrive le sucre. Il y en a 16 en transit. Bah, surtout que là, on a rouvert là au sud. Là, on avait une production de sucre. Donc là, normalement... Là, la locomotive est arrivée à 68%. Bon. Ouais, c'est bon. 1 sur 4. C'est qu'il n'y a pas de dépôt de maintenance à Carlis. C'est pour ça que ton train est revenu HS. Où est-ce que tu vois qu'il y en a un qui est revenu HS ? Non mais tout à ah, l'heure. Merde. Quoi, ah putain, merde. Mais là, je l'ai fait à Carlis le dépôt. Mais là, tu vois, Londres Carlis, on est arrivé à 68%. Ah bah ça va, il peut faire l'aller-retour là. Parce qu'il a fait, donc, il avait refaire... Que... Si, il peut refaire, bah, il peut repartir. Plymouth Carlis, ils auraient pu faire la maintenance à Carlis, c'était bon. Je pense. Peut-être, ouais. Ce serait passé. Là, Londres, on est à 68%.
Alors, est-ce qu'on peut débloquer des trucs? Ah non, on peut pas pour l'instant. Alors, c'est quoi ça? Contrat long terme, non? Convoi de train. Vas-y, hop, on va prendre ça. D'enchères, on s'en fiche. Yes. Bon, ça devrait se débloquer dans pas longtemps, je pense, l'alcool. Attends, on va regarder quand même à Birmingham si ça produit. L'alcool, non, il y a toujours un problème hein, de production sur l'alcool. Je comprends pas pourquoi. Ah, il est pas arrivé, c'est pour ça. Le sucre est pas arrivé encore. Ça traîne, en fait. Est-ce que sur la voie que t'as racheté... Ouais, non, rajouter... Bah si, on peut rajouter un train. C'est con, par contre, tu vois, j'aimerais bien savoir qui est en train d'emmener le sucre à Birmingham. Et ça, tu peux pas le savoir. Parce que là, mec, il y en a 15, 16, 17, 18 en transit, mais je sais pas qui. Et je sais pas quand. Je sais pas. Il n'y a plus qu'à attendre. Et de toute façon, s'il n'y a pas d'alcool... Et il n'y a que Birmingham qui produit de l'alcool, il n'y en a pas un autre. Là, il y a de la bière. Là, il y a du tissu. Là, non. York, ils font de la bière. Putain, ils font tous de la bière, mais il n'y en a pas un seul qui fait d'alcool. Il n'y en a nulle part, on sait construire une usine. Non, j'ai besoin d'alcool. C'est la prohibition, quoi. Tu ne sais pas construire une usine quelque part. Bah où est-ce qu'on a de la pomme et... Bah la pomme, il y a que l'inch. Il y a des slots d'usines quelque part, hein. Enfin déjà. De quoi? Tu peux pas construire des usines où tu veux. On a la thune. Là tu peux construire que... Ça dépend de la taille de la ville, je crois. Usine, distillerie. Ouais, on peut pas là. Qu'est-ce qu'il faut pour la distillerie? C'est un problème à peut-être améliorer. Non, je sais pas. Et on est obligé de la mettre dans une ville, on peut pas mettre directement chez les pommes. On fait que les villes. Eh ben, pourquoi on fait pas Londres? Non, on peut pas. Parce qu'il n'y a pas de slot d'usine, je crois, de libre. Bah non, les slots d'usine, non, les usines sont à placer. Comme sur Farming. Mais il y a des slots, on peut pas en construire autant que tu veux. Ah tiens, attends, tiens. À Oxford, je peux faire. Bah go. Alors, go, oui et non. Il faut lui emmener du sucre. Quelqu'un lui fait un trajet ou pas? Si t'as de quoi faire, hein. Si quelqu'un lui fait un trajet pour lui emmener du sucre et des pommes, pourquoi pas? Bah, du sucre, il y en a à plusieurs endroits. Des pommes, il y en a qu'un seul endroit, je crois. Ouais, et j'ai peur que les pommes, ça suffise pas. Par contre, le sucre, je comprends pas pourquoi Birmingham, eh ben, ils arrivent pas à s'approvisionner. Attends, j'ai rajouté un train pour faire Lennox, Birmingham en direct en sucre. Tu vois, regarde, sucre, je sais pas où est coincé le train, Fafa. Toi, le chef de l'aiguillage, où est-ce qu'il est le train? Parce que là, il y a marqué livraison actuelle 17, mais depuis tout à l'heure, c'est bloqué à 17. Je ne sais pas où est le train. Je ne sais pas qui envoie du sucre à Birmingham. Mais du sucre, il y en a deux endroits. Il y a à Lennox, gare ferroviaire, tout en bas. Mais justement, là, j'ai refait un direct, moi, Lennox... Lennox Birmingham pour amener. Ah ouais. Et normalement il y a. Bah par Londres. Ah ouais, Londres et puis tu vas à Birmingham, ok. Voilà. Et normalement oui, bah de Banks Terminus, Liverpool et normalement de Liverpool. Alors après si, il y a une solution. C'est de faire l'usine à Oxford et de l'amener en. De la produire en direct. Non, la fournir en direct. Attends, Oxford si vous. Non mais c'est Banks Terminus, on peut relier directement sur la main line là et arriver à Birmingham direct. Ouais. Tu veux le faire? Parce que c'est vrai que là il fait un trajet en fait vers Liverpool, peut-être qu'ils se servent, Manchester. En plus de ça, je crois que le sens de circulation, Fafa, il fait Banks Terminus, Liverpool, après Liverpool il est obligé de passer par Carlisle. Et attends, je vais regarder. Banks Terminus, Liverpool. C'est un bordel notre réseau. Ah non, en fait,
Ah non, c'est Liverpool qui fait l'entrepôt. Oui. Ah merde. Attends. Putain, regarde l'entrepôt de sucre. En fait, y a rien qui part de Liverpool en sucre. L'entrepôt est plein. Parce que y a d'autres marchandises plus intéressantes. Bah ouais, alors comment est-ce qu'on peut mettre une priorité ou pas dessus, ou est-ce qu'on fait... Ah non, mais là je fais Banks... Tu tires une gare directe sur les quais de Birmingham. Ouais. Ça allait plus vite. 43 000. Oh, on a 1 200 000, vas-y, tu peux y aller. Sans problème. Tu dis quand tu la valides ? On devrait la voir apparaître normalement. Bah la... Ah, nouvelle ligne créée. Non, ça on s'en fiche. Par contre, je la vois pas ta ligne. En attente de déploiement, ok. Ah, je vois... Bouger, train encore. Je vois ton train... Ah oui d'accord, tu l'as relié là. Moi je pensais en fait que tu faisais un direct... Banks Terminus... Avec une... Avec des voies parallèles, non. Des nouvelles voies parallèles. Donc là, il arrive là. Ça aurait été plus cher. Par contre, là, du coup, il arrive mais à vide. Ouais. Pourquoi il arrive à vide d'ailleurs ? Là, parce que quand il est. Comme il y avait l'autre train qui venait juste de partir de la gare, ça se trouve. Il repart. Pourquoi il s'arrête ? Ah putain, il y a un train en gare à. Ah, t'aurais dû, peut-être dû mettre des nouveaux quais. Ah non, c'est bon, on prend. On y va. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on a besoin de ramener du sucre à Liverpool maintenant ? Putain, il part à vide. Attends, moi je comprends rien. Je sais pas pourquoi il est parti à vide, hein, Fafa. Ah si, y a du sucre. Bah, je sais pas, parce que là, quand ça met 43 sur 43... Bah c'est ce qu'il y a de dispo. Exporter la réserve, et là, c'est... Ouais, mais c'est 43 exporté sur 43 en stock, ou c'est que c'est plein? C'est ça que j'ai jamais compris. Quoi. C'est la capacité de production, 43, non? Ah. Et là, il a un sucre. Ouais, il faudrait presque dire à... Il faudrait presque enlever le sucre de la réserve de Liverpool. Attends, non, non, mais laisse-le dans la réserve. De toute façon, j'ai enlevé le train qui faisait Banks Liverpool. D'accord. Donc là, Liverpool, tu leur laisses et... Ouais, c'est en train de descendre, ok. Ils font leur alcool de leur côté. Moi, je m'occupe par rapport à ça. Ouais, t'es en train de faire les objectifs suivants, toi, non? Non, je un peu très au propre. Ok. Toujours 1 sur 4 en alcool. Normalement, eux, ils produisent l'alcool. Et il y en a un qui va partir à Londres. C'est bon. La production d'alcool... alors, attends, faire 16. Et du coup, alcool... Elle est en route. Elle est en route, Fafa. La production d'alcool. Ça roule. Pomme plus... pomme plus sucre. Ah, non, elle est en rade. Bah normalement il devrait amener ce qu'il faut là, ton train. Je sais pas où est-ce qu'il est mais... Bah je sais pas parce que là j'ai vu là, il est encore reparti à vide quoi. Mais c'est pas possible. Mais il est où? C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Non, il est là, ok. Il peut pas être à vide, c'est pas possible. Là-bas ça demande du sucre et là on en produit. Ah oh, putain, panne. Oh putain, y'a pas de maintenance... Bah si, y'a de la maintenance... Y'a pas de maintenance à Birmingham. Ah oh, putain, c'est un restaurant. Eh merde. Je détruis le restaurant. Je mets un truc de maintenance à Birmingham. Sinon, on va tomber en panne. Bon, de toute façon, on va tomber en panne. C'est mort. Je vais en mettre un ici. Le temps de... On a... Vu l'argent qu'on a... Hop. Et garde-nous un peu de thunes, Flo. Pourquoi ? T'as besoin de thunes ? Non, on sait jamais. Il y en a masse.
Rejaco. Bon, on n'est pas resté millionnaire longtemps. Ah bon, avec moi dans la partie, c'est compliqué. L'argent, c'est fait pour être dépensé. Par contre, je comprends pas pourquoi lui, il est en panne alors que... Bah, il est encore bien, quoi. Enfin, il reste 19%. C'est pas une panne. C'est juste une panne aléatoire, t'es pas forcément... Ah, ça y est, ça repart. Alors, vas-y. Donc là, il va réparer, normalement. Toi, tu le vois à 19 et moi, je le vois à 64%. Putain, mais je comprends pas pourquoi il prend pas de sucre, merde. Ah non, là il attend, non, là il fait sa maintenance, autant pour moi. Tu vois ce Bergin ? Pourquoi il demande que 0,2 ? Putain, il regarde avec quoi il part, Fafa ? Il part avec juste un wagon de sucre. Ça produit peut-être pas assez ici en fait. Achète la production, elle est meilleure là ? Bah là il y a marqué plus 6,4 par semaine mais 100% du train mais Fafa tu... ouais on peut l'acheter ouais. Bah vas-y attends, off. C'est ça ? Production de sucre. Ouais, je l'ai acheté. Comment tu fais pour augmenter la prod ? T'as une petite flèche en haut à droite je crois que l'affiche. C'est ça. Putain 1 million, oh non bah on a pas la thune. Elle est déjà niveau 3 en fait. On gagne pas beaucoup en fait, on gagne pas d'argent. Non mais par contre quand tu passes à 1 million, tu enfin à niveau 4, tu doubles la production. Elle est déjà... Attends, c'est déjà niveau 3 ou elle est niveau 2? Non, elle était déjà niveau 3, parce qu'on était à 43. Ok. Et il faut 1 million. C'est un peu chéro quand même. Ah ouais, c'est que celle-là, on l'a déjà. Ah, par contre, l'Enox, elle est que niveau 1. Donc on peut la monter, pour 342 000, on peut la monter au niveau 2 et faire 3,2. Bah vas-y, hein. Vas-y, et bah Londres est pas prêt d'avoir son alcool, hein. Salut Cyril, à demain. Alors Liverpool, problème de trajet. Flo, t'es en train de bidouiller une connerie. Liverpool ? Ah, il y a des problèmes de trajet à Liverpool. Le Liverpool-York. Liverpool, problème de trajet. York. Je sais pas ce que t'es en train de faire, mais... Je regarde. Ah, c'est peut-être moi, je regarde, t'inquiète. Liverpool-York. Il va de où à où ? Ben, de Liverpool à York. Mais en passant par quel côté ? Je sais pas. Ok, je regarde. Entrepôt, on a toujours du sucre ici. Fafa, t'es sûr que t'as viré le trajet oui. Le trajet de sucre qui amène à... Enfin, c'est quoi ça ? Ferme de légumes. On achète ou pas ? 90 000. Ah, mais c'est pas le bon qui s'ouvre. Si tu double-cliques sur la ligne, là, y a plus. Hein, Liverpool Banks, y a plus. Quoi. C'est pour l'instant. Et y a le Bankster... Bah ça produit juste pas assez en fait. Modifier, là si je mets... Deux wagons... Non mais y'en a qu'un, attends. Banks, Birmingham, non y'en a que un. Que un wagon. Déjà je vais mettre nombre de wagons minimum, je vais mettre un. Donc comme ça au moins déjà le train il partira plus... À vide. Il partira plus à vide. Il faudra au moins qu'il y ait un wagon pour partir. On s'en fout, il est tout seul. Bah là, il vient d'en prendre deux, là. Flo est en train de nous ruiner. Rapport mensuel, moins 500 000. Bah, il y avait plein d'argent, moi, j'ai utilisé. Ah, mais le plein d'argent, on a que 500 000, hein. C'est pas énorme. Hein. Ah, il attend, lui. Il attend quoi ? Oui, il attend. La boîte libère. Quand tu vois, t'es en rouge. Ah, mais ce qu'il y a de bien, quand t'es en rouge comme ça, c'est mieux caler le train qui bloque. Ouais, j'aime bien les petites flèches. Ouais, t'as les petites flèches ouais, qui te vont en direction du train qui bloque. Prof, ok, donc là il arrive, il décharge le sucre. Eux ils produisent l'alcool, et normalement, l'alcool, j'espère que ça part pas ailleurs par contre l'alcool.
J'espère que ça va bien en priorité à Londres. Pas forcément ça. Comment on fait pour savoir ça? Si alors attends, bouge. Bah si, de toute façon, tout à l'heure t'as pas fait un... Si, tout à l'heure t'as mis un train prioritaire. Ouais, mais est-ce que les autres qui sont en automatique... Ah bah non, par contre, oui, eux, ils en chargent... oui, au cas t'es où sûr? Bah oui, je suis sûr qu'ils doivent te le piquer, parce que là, y'a rien qui part, quoi. C'est chiant. Pourtant, j'ai un peu de prod. Elle est en route. Là, j'en ai un qui part. Non, j'en ai un de prod. Après, y'a la prod... Ah, mais attends. Y'a un autre problème. C'est que... en local, ils en consomment. Oui, aussi 0,7. Donc t'as 0, que 0,3 qui part. Ce que 0,3, purée. On peut pas leur dire d'arrêter de picoler. Là, tu vois, moi, le train qui remonte du sud, là, de Lennox. Lennox, il ramène directement à Birmingham du sucre. Et après, je lui ai dit de reprendre en priorité l'alcool pour redescendre à Londres. De toute façon, je lui passe. Eh, pourquoi tout à l'heure, je pouvais... Ah, putain, ça coûte trop cher. Bah, Flo, tu dépenses trop. J'aurais bien voulu faire la distillerie. 640 000, j'aurais voulu en faire une en fait pour débloquer cet objectif là parce qu'on va rester coincé pendant 3 heures. On devrait bien. Mais non, c'est 1,6. Par contre, c'est ça, exploiter. Par contre, on peut pas l'acheter celle de Birmingham. Si, 1 million. Mais sinon, sinon, on met une deuxième usine. On met une deuxième usine, on lui envoie des pommes et du sucre. En direct. Et je peux en faire une à Oxford. Tout à l'heure, il voulait bien que j'en fasse une à Oxford. Et dans ce cas-là, après, on peut récupérer... Oxford, ils ont construit deux usines, tu pourras plus. Bah, pourquoi tout à l'heure, je pouvais Mais parce qu'ils ont construit... Attends, je vais regarder, hein, mais... Je croyais que tu veux plus. Non, tu peux plus. Ils ont construit une usine d'ameublement et putain, une usine de tissage. C'est pas vrai. Après, tu peux peut-être démolir une usine. Hein. Alors, peut-être à Manchester, alors. Les ah bah non, je peux pas. Je peux pas non plus. Les usines qui nous appartiennent pas, je pense pas que c'est... Bah je peux en mettre une à... Ah ouais, non, t'as raison. Ah bah Carly, c'est complètement l'autre. Bah c'est pas grave, s'ils produisent et qu'ils envoient. Moi je m'en fous, moi. Y'a pas assez d'alcool sur le réseau, en fait. Est-ce qu'il faut pas mieux plutôt acheter la distillerie à... À Birmingham et l'upgrader? Bah attends, on attend 2 minutes, on aura le million et on pourra le faire. Ouais, par contre ça va être niveau 2, il va falloir 2 millions. Comment ça? Attends. Un pour l'acheter et puis un pour l'upgrade. Ah merde. Peut-être, je sais pas après si tu l'achètes. Parce entrepôt pour l'export, toi, il y en a 3 là. Ah ouais, 1 400 000 pour l'acheter. Mais là, il y a 3 alcools à... Il t'en faut combien? 4? Il m'en faut... Ouais, 4. Il y en a un de plus là qui vient d'arriver. Il m'en faut 2 autres. Parce que là, il y en a 3 en stock à... Eh ben pourquoi ils partent pas? Parce qu'il faut que des trains qui viennent les chercher. Allez, moi j'en vois que un en stock, hein. Ouais, mais quand tu cliques sur la ville. Ouais, Birmingham. Non, pas sur la gare, sur la ville. Bah, je sais pas, si, regarde, entrepôt et production à gauche, à droite. À droite. Ah ouais, bah je suis retombé à 0. Ah, mais je sais pas quel graphe lire en fait. C'est bon. Il est parti? Alcool pour Londres. Ah bah c'est bon. Arrive. Ah bah c'est parfait, ils vont picoler. Birmingham, London, Houston. Allez. Il est là. Tac. Putain, ils nous aura fait chier cet objectif là. Bah c'est ce qui est compliqué, c'est ça, c'est qu'en fait faut que tu... Tu mets des trains, machin, et bah t'as toujours un delta alcools. Entre le moment où tu fais et le moment où ça arrive. Et voilà, il arrive, il va décharger, et ça va être validé. Impeccable. Tac, 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 le deuxième, et voilà, c'est bon. Salut Benji. Demain après-midi... Non, pas demain après-midi, jeudi après-midi il y aura. Et vendredi après-midi. Les adversaires y réfléchiront à deux fois avant de s'en prendre à moi. Oh, et vous avez également atteint vos objectifs. Au nord, alors, je pense que c'est la dernière ligne droite. On fait quoi? On la fait maintenant ou on la garde pour plus tard? Enfin, nous fera faire un grand pas en avant.
Si nous parvenons 84, à tu crois que c'est la dernière ligne droite, Flo, ou pas? Par chance, ouais. J'ai réussi à relier 13 villes. Avoir un solde de 350 000 par semaine, ça va être, putain. Peut-être être compliqué parce qu'on a pas beaucoup. Oh putain, et par contre, le solde 350 000 par semaine, c'est pas terrible. Quoi? Chantage. C'est quoi ça? En cas de refus de paiement, il menace votre entreprise de sabotage. Bah vas-y, viens saboter. Qu'est-ce qu'on fait? Jamais de payer. On paye ou pas? Je paye jamais. On paye pas? Allez. De toute façon, c'est quoi là? Il faut acheter le pays de Galles et puis relier les deux gares. Non, mais c'est assez ouf là, les 350 000 par semaine. Vous occupez d'étendre la ville? Alors, acheter le petit trajet privé Chester. Donc, ça, on va pouvoir l'acheter, je pense. Chester et. Pays de Galles, 612 000 le pays de Galles. Alors, il est où? Chester. Il est où le petit trajet privé Chester machin? T'avais pas acheté tout à l'heure, Flo, tous les trajets privés? Si, mais il est dans le Pays de Galles, le trajet. Ah, bah vas-y, on achète. On achète le Pays de Galles plus le truc privé. Il est où le trajet privé? Au-dessus du Pays de Galles, tout en haut. Je le vois pas. J'achète? Tu veux que je vois comment je le paye? Tout en haut. Ah, si, ça y est, il vient d'apparaître. Ok, celui-là, 300 000. Tac, ok. Non, et il y en a un deuxième. 400 000. Ah, attends, on va le prendre maintenant. Et tac. Ah, il veut pas. J'arrive pas. C'est bon. Donc là, on a acheté les deux. Ensuite, il faut le gros solde par semaine et relier 13 villes. Relier 13 villes, bah. Je vais regarder pour relier... Bah tu... Oli-Ed là-dessus. Ouais, tu relis Oli-Ed. Génie-Arrêt, là, tu prolonges la ligne. Ouais, jusqu'à Liverpool. C'est ce que je suis en train de faire. Et pareil je pour... Je vais à Liverpool, moi, là. Et l'autre, pour Scully-Arrêt, tu le relis à juste en dessous, à Gallagher. Bon, par contre, il nous faut de la thune, quoi. Regard, hein, par contre. Ouais, surtout qu'il y a l'autre voie, là, qui nous... faut lancer une OPA sur l'autre là. La voie en bleu là. Et en plus c'est du charbon. On a pas besoin de charbon. Ah. Je sais plus si on va avoir besoin. Il va nous emmerder celui-là. Je sais pas comment le raccorder celui-là, Fafa. Il veut pas me faire un pont par-dessus. Par-dessus. Ouais, parce que la gare est trop proche. Bah sinon aussi, il y a un truc dégueulasse à faire. C'est que tu repars à l'envers. Ouais, de l'autre côté, et je fais une boucle. Tu repars de l'autre côté, par contre tu restes bien parallèle un petit peu pour pouvoir mettre un grill. Tac. Voilà, et là tu fais... Oh putain la vache. Mais non, mais pourquoi... Place pas un point. Moi je fais comme ça et après je viens. J'ai infiné en ouais, fait. Mais sauf que tu vois, le point que t'as déjà placé il va te. Il te bloque. Celui-là là? Bah ouais. Mais sinon regarde ce qu'il me fait en fait. Ouais, mais justement, puis après tu. Comme tu dis, t'affines. Ouais, il est pas si cher que ça. Tu es en train de raccorder une gare? Oui. Ah ouais, c'est pour ça, moi je peux pas placer de garde dans l'autre ville du coup. Pas grave. Tu peux pas placer de garde? Ouais, je dois attendre que vous ayez raccordé avant de pouvoir placer. Pas grave. 140. Par contre, ouais, t'as des plus 10 là sur ton pont. Bah ouais, mais ça grimpe sévère là, regarde. Ouais, mais... Plus 10, ça va être chaud quand même. Tu peux pas justement ouais, répartir un peu? De l'autre côté aussi, peut-être. Voilà. Point, là, de le monter. Ah, moins 4. Ça va? Moins 4, moins 2, moins 2. Ah, voilà. 4, moi, je le prends en général. Allez, vas-y. Toc. Du coup, alors attends, on va relier ça. Il faut faire un petit échange de voix ici. Hop, ok. Alors, Pays de Galles, on est où? On est là. Vous me dites quand vous avez raccordé la ville? Eh ben...
Bah, je sais pas quelle ville. Attends, elle est là, ma ville. On va faire une nouvelle qui part de là à... Je sais pas, Birmingham, par exemple. Ah, je peux pas. Je sais pas pourquoi. Moi, je peux pas. Attends, il va faire ça. Là, il peut faire un échange. Je comprends pas pourquoi il peut pas repartir dans l'autre sens. Ah, peut-être parce que... Bah... Sens des voies. En fait, il est libre. Ouais, bah, de toute façon, c'est de la voie... il a de la voie unique, donc... ouais, bah oui, c'est pour ça, je comprends pas. Ah, ok. Non, c'est ma faute. Regarde. Il faudrait que je fasse un... Il faudrait que je fasse une voie parallèle là. Nous avons réussi. Voilà. Notre réseau s'étend jusqu'à la côte galloise. Les personnes voulant se rendre en Irlande doivent désormais emprunter la liaison entre Londres. Bon, le problème, c'est le solde maintenant. Une fois qu'on a le solde à 350 000, c'est bon. Mais alors, Flo qui est en train de tout. Non, tout c'est 350 000 par jour. Non, c'est par semaine. Par semaine, ouais. Ouais, mais du coup, ça, ouais, c'est quand tu construis, ça le décompte. Ah non. Non. C'est le plus en haut qu'il faut. C'est ce que tu ramènes, en fait. Oui, mais c'est quand tu mets ta souris sur le sol, ça le décompte pas, ça, si. Bah non. Bah, ce que je comprends pas, surtout, c'est comment ça se fait qu'on est aussi bas que ça, quoi. Peut-être on devrait... Je pense que nos lignes, elles font vraiment pas... Bah, elles font pas de thunes, en fait. Il faut rajouter des... Déjà, arrête de construire et il faudrait qu'on multiplie un peu les trains, en fait. Tu vois, par exemple, là, il y en a une qui est à dans le négatif. Elle est à moins 1000. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle rapporte que dalle, celle-là? Ça, c'est le sucre. Sucre, bah... n'importe quoi. Et ton sucre pour Birmingham pour faire de l'alcool. Là, j'en ai un qui ramène 0. Pourquoi? Est-ce qu'il veut plus de trains? Non, s'il est à 0, ça c'est pareil, Birmingham London, ça doit être le... Regarde le détail là, celui qui est à 0 là. Modifié. Bah pourtant il fait de l'échange, hein, mais je comprends pas pourquoi il est à 0. C'est parce qu'il est en fret, il est en fret. C'est pour ça, il faut le mettre en mixte. On va le mettre en automatique. Et on va mettre la voiture restaurant pour avoir plus de recettes. Par contre, ça veut dire que le sucre... Voilà, là on est à plus 5000 maintenant. Ah bah celui-là, la locomotive, elle est en panne, c'est pour ça qu'il... Chiotte. Bah je trouve même pas le trajet. Super. Ah bah d'accord, non, en fait il a 0. Une ferroviaire incomplète. Alors, celui-là, je comprends pas pourquoi il a 0 en fait. Je suis en train de toucher. Si, celui-là, tu peux le. Ah, celui-là, on va mettre un autre en plus. On va passer à 2 avec ça. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que tu vois, le Banks Terminus que tout à l'heure tu disais qui était en négatif, voilà. Là, il est à plus 2000 moi par semaine. Mais là, je suis en train de les revoir là. On gagne un peu plus. Non, mais celui-là, tu as pas touché encore le sucre. Non. Si, le sucre, je l'ai mis en... Je l'ai pas mis en automatique? Non, pas le sucre. Non? De toute façon, le sucre, il fait que de la gare... il fait que de la production de sucre jusqu'à... Voilà, donc on peut le mettre avec des voyageurs si tu veux. De toute façon, il n'en prendra jamais. Par contre, pourquoi il est passé à... Ah, parce qu'il y a eu 3000 de maintenance. Bon, je claque un peu de thunes. Attends, celui-là, ok, y a pas besoin d'en mettre 2. Là, on a un qui a peut-être besoin d'en avoir 2. Quoique non, il est pas plein. Ça sert à rien. Là, on en a un qui transporte du tissu et rien d'autre. Pourtant, il est en automatique, celui-là. Il n'y a peut-être plus besoin de renvoyer de mettre du tissu. Hein. Non, mais de toute façon, s'il prend du tissu, c'est que c'est ce qui rapporte le plus. Normalement, par défaut, dans les gares, il prend ce qui rapporte le plus. Ouais.
Manchester-York. Pourquoi ça, pourquoi il n'y a rien là? Il y en a un qui fait un trajet à vide là depuis tout à l'heure. Il sert à rien ce train là? Bah pour du passager peut-être. Ouais mais on a déjà des trains qui font la boucle et tout, il y en a d'autres. Bah faut l'enlever. Belle. Après en soi, on pourrait presque mettre... Non si, il y a du blé, il y a du blé, Fafa. Il y a du blé, il transporte du blé, mais le blé c'est zéro. Ouais mais regarde, c'est en plus c'est flèche terre, c'est même pas... Alors, par contre, est-ce qu'on devrait pas augmenter le nombre de trains sur la ligne principale? Celle qui fait nord-sud. Il y en a 8. 8, non? Ouais, est-ce qu'on peut pas augmenter un peu plus? Moi je me demande si on la dédoublerait pas à faire un express plus un fret. Est-ce qu'on devrait pas mettre des trains plus rapides dessus? Parce que là on est à 50. Faire un express et un classique et un fret. Bah déjà faire ça quoi, peut-être mettre des trains plus rapides et augmenter le nombre, non? C'est parti. Ah, le problème c'est qu'après quand t'augmentes trop le nombre, bah tu satures ton réseau et tu... Bah alors faut regarder en fait si on est saturé. Ah bon, là il y a un petit petite panne. Ah, je suis pété ou pas? Le stream est encore là ou pas? Le stream est encore là, pour combien de temps je sais pas. Bah c'est bizarre parce que moi tu vois, ça me propose tout de suite de rejoindre. Ah ouais, ça vous a éjecté 2 secondes. Bizarre. Ouais, globalement ça marche quand même bien. Là on en a un où on perd de l'argent. Je sais pas pourquoi on perd de l'argent sur celui-là. On a 2 trains. Ouais, mais... Peut-être on peut mettre qu'un, non? Utilisation, on est à 54%. On va peut-être mettre un seul. Après, c'est pareil, toi, lui, t'amènes des pommes. Il n'y a qu'un seul endroit où on a des pommes. On est d'accord? Ouais, mais il n'est pas utilisé à fond. Ouais, il y a 2 trains. Je peux mettre. Donc, quand tu vas le supprimer, tu vas je peux en mettre qu'un. Je peux en mettre qu'un, en fait. Ah non, si, attends, mais c'est ça, c'est que, en fait, ouais, il faudrait limite le supprimer et faire juste un Lynch Birmingham. Je pense qu'on a trop de lignes, il faudrait remettre au propre. Oh non, je trouve pas qu'on a trop de lignes. Hein. De lignes. De train. Pas ligne de train, de liaison ferro. Enfin de. Tu vois, là on a des trains qui. Ah merde. On est à combien là? Hop. Oh. Ouais, là, faut attendre encore un petit peu qu'on soit à jour, mais là, ça augmente pas. Hein. Ça augmente pas. Ah, il va être dur à avoir ce dernier objectif là. Moi j'avais aucun problème, je crois qu'on a pas beaucoup de revenus, je sais pas. Non. Bah en même temps, je vois pas trop ce que tu fais depuis tout à l'heure, Sur les lignes, je vois des lignes qui étaient en positif et puis d'un coup elles se retrouvent à zéro. Moi je touche pas aux lignes, je touche pas aux lignes réellement, j'ai juste touché au. Ah. Comment l'infrastructure. Bah faut peut-être voir à faire monter un peu les populations. Je vois Cambridge par exemple, Cambridge a rien du tout. C'est vrai que Londres on est même ah, pas. Ah mais non, Cambridge c'est pas à nous. Cambridge? On n'a pas de gare à Cambridge? Cambridge est à nous, ok, si. Petite gare, non? Pour racheter la concurrence. Par contre, la tu ville... Tu peux pas sur cette mission. Pas sur cette. Ah non, on peut pas, ouais. J'aurais bien voulu acheter la attends, ville. Attends, on a toujours pas de... Les légumes, on a pas été chercher? Ah si, on a une gare, non, j'en ai dit. Ah, c'est une gare, on s'en sneak. Chiotte. Alors, attends, entreprise... Ah si, on peut les racheter. Ah non, on peut pas. Non, t'as pas l'option. On peut pas racheter des parts. Non, on peut pas racheter des parts non plus. Ah, c'est pour ça qu'on gagne pas beaucoup de thunes. Émettre des obligations, non, ça on s'en fiche. Les stats, bah les stats ça augmente. Mais moi ce que je voudrais, c'est pas la valeur de l'entreprise, c'est les revenus. Attends, retard, maintenance, ok. Gare, longueur des voies, fret. Bah, je sais pas trop. Dover, on peut pas l'augmenter, Dover. Si. Dover, par exemple, tu vois, ils ont besoin de pommes. Ce serait peut-être bien que de leur emmener des pommes. Et du lait. Et du sucre. Il n'y aura pas d'enchères. Qu'est-ce qu'on fait, on achète ou pas? Pourquoi vous avez pas relié? L'industrie de la viande, est-ce qu'on prend? De Liverpool. Est-ce que je gagne ou pas avec ça? Bah si t'arrives à remettre le truc en bénéfice, oui, sinon non. Bah j'en sais rien. Bon allez vas-y, tiens.
Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire des trajets qui... pour aller un petit peu amener de la matière première dans le sud? Bah, le problème, c'est qu'on y voit plus très clair dans le réseau, et donc on sait pas si on arrive à bien desservir les villes. Genre Londres, elle est à 49% seulement de réponse à la demande. Eh, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Londres, tu vois, en BC. Ouais. Mais c'est dur hein, d'avoir une ville à 6 points sur 6. Hein. Après, c'est Chaco. Faut que tu te concentres sur une seule ville. Mmh. Ouais, ouais. Genre les légumes, il y en a zéro. Les pommes, il y en a zéro. Il n'y a pas de tissu. L'alcool, c'est bon maintenant. Produits laitiers, il n'y a pas, je sais pas pourquoi. Ah, alors des pommes, ça devrait arriver parce que là, je suis en train de. J'ai remis un train direct pour faire. Lynch-Birmingham. Bon, on reste coincé quand même à 155 000, mais on est obligé d'attendre. En fait, c'est pas mis à jour en temps réel, ça. Je pense qu'il faut attendre le rapport trimestriel. On peut pas avoir le rapport là avant. Avant l'heure. Le rapport. Bah, il est dans le deuxième onglet du chapeau. Tu vas voir. Ouais, mais voilà, faut attendre le rapport trimestriel. Production totale, courrier, fret de passagers. Mais c'est pareil là dans les. On peut avoir la liste des usines qu'on a et tout avec ce qu'elles produisent, avec ce qu'elles rapportent. Putain, pourtant on a vachement augmenté là. Une par une, non ? Coût de production, le courrier on a augmenté un peu. On peut pas avoir dans les recherches là un peu de bonus ? Ça c'est quoi ça ? Vas-y, attends, on va tout acheter. Usine de produits chimiques. Non. Réduit le coût de construction des bâtiments. Trop tard, on a déjà tout, de toute façon. Tactique d'enchère, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche, on paye pas. Là, on a un truc, c'est quoi, ça? Contrat à long terme. Ouais, mais c'est pareil, on s'en fiche. Tout acheter, en fait. Je peux acheter toutes les innovations, on est coincé. Ouais. Faut qu'on attende. Faut qu'on attende que le trimestre tombe. On est en juin. Bah ça va être là. Ça va être là. On a fait que plus 38 000. C'est pas ouf hein. On a pris que 10 000 là sur le solde par semaine. Bon, ça vous dit qu'on essaye de dupliquer la ligne principale pour en faire une de fret et une de marchandises. La ligne principale, elle fait quoi? Elle fait Londres. Elle fait Dover jusqu'à Holyhead. Attends, Dover. Oui, non, mais regarde, par exemple, tout en bas, c'est la nord-sud en gros. D'accord, déjà regarde Oxford. Déjà, Oxford, on fait 0% de passagers. Il y en a 56, et on en fait 0%. Bah, oui, il faut les remettre. En fait, faudrait reprendre les villes au cas par cas, quoi. Ouais, donc ça veut dire que déjà on peut mettre un ou deux trains entre Londres et. Et Oxford. Et là, mais déjà, je vois le même train, pas Oxford en fait. Dans un sens Oxford, je crois. Donc Oxford, il est au niveau de Birmingham. Birmingham, c'est où? Ah non, c'est bon. Oxford, Birmingham est là. Oxford est là. Ok. Et c'est vrai qu'Oxford, ouais. Bon, allez, je la duplique. Je la mets en fret. Où est-ce que tu les vois les passagers, Fafa? Moi, je vois qu'il y en a 14. Attends, il y en a 14 qui veulent aller à Plymouth et qui peuvent pas y aller. Ouais, mais regarde Londres. Londres, t'en as 70. Ouais, là, c'est bon, 80%, 91%. Là, si tu prends. Où est-ce que tu vois ça, toi? Regarde la première ligne, Oxford. Ouais. Il y en a 56 qui veulent y aller. Il y a 56 qui veulent de Londres qui veulent aller à Oxford. Et à côté, on est à 0%. Donc, il y a personne qui peut y aller. Donc, il faut faire. Et Cambridge, c'est pareil. Ouais. Le réseau il existe, par contre il n'y a pas de train. D'accord, et ben faut juste faire une ligne. On s'occupe de ça. Allez. En express. Je vais regarder à Bristol.
Je suis en train de... Bristol Oxford. Allez. Moi, j'ai mis des trains entre le pont. Bristol Oxford. Est-ce que je peux faire ? Alors, je peux... Je vais faire une nouvelle voie, tiens. Par contre, après, Londres, est-ce qu'on va avoir des soucis de saturation aussi de la gare ? Est-ce qu'on... Attends, mais moi, je vais faire une voie... Je vais faire des voies parallèles, là. Je pense qu'on peut doubler une partie du réseau. Londres... Birmingham, on peut le doubler pour que l'express passe d'un côté et que le train passe de l'autre côté. Est-ce qu'on peut pas faire un truc comme ça, en fait, sur Bristol ? Oh, attends. Pourquoi l'essence sont pas définies, là ? Ah, elle est définie. Ok. Ok. Donc là, c'est bon. Donc il s'arrive ici. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est faire... Putain, mais pourquoi c'est encore bloqué, là ? Ok. Et là, on va faire un... On va faire un qui part de là, qui va là. Construire, et un autre qui fait ça, et ça. Construire. Toc, ensuite, on va faire un truc comme ça, et un truc comme ça. Et là, normalement, si je demande un Bristol Oxford... Oh putain. Non. Oui, il veut pas. Oui. Ah oui, non, d'accord. T'as une ligne à voie unique et que t'as mis un sens obligatoire. Où ça ? Alors attends. Bah regarde là. Non, attends. Oh, tu m'as vu. Entre... Non, si, si, oui, d'accord, ok, je vois. Ah non, d'accord. Ok. Je me suis trompé. Bah non, je me suis pas trompé. Bah non, je comprends pas la Fafa. Regarde, le mec il peut partir. Il peut partir là. Attends, là il part. Il y a un bâtiment qui fait chier. Là il peut partir ici. Pourquoi il le prend pas ? Conseil et astuce. Ah oh, ouais, il va faire chier ce bâtiment. On a tes Bristol. Tac. Là on suit là et là normalement on arrive à Oxford. Alors là moi je comprends pas pourquoi il fait ça. T'as une grille à Oxford ? Ah, peut-être ça. Non. Pas de grille à Oxford et je suis même pas sûr qu'il y en avait une de l'autre côté. Bah non, il n'y en a pas besoin. Alors, nouvelle ligne, Bristol, Oxford, et là ça marche. Là je fais un spécial express avec express, que des usagers. Ok. Tac. Et bah c'est parfait, ça marche, Fafa. Donc là, j'en rapporte un petit peu de Bristol. Vous faites quelle ville, vous les gars ? Petit axe central, moi je vais viser ça, Dove, Dove, ok, Dover, Londres, Oxford, ouais, Birmingham, et je crois qu'en plus cet axe-là est déjà créé en fait quand tu lances la campagne 2. Par contre, le Birmingham-Oxford, Londres, il est pas créé, c'est une ligne privée. Celui qui était créé, c'est celui à droite qui sait qu'on utilise presque. D'accord. Plus. Une grande ligne là que presque pas utilisée. Je vais continuer moi après mes trajets là. J'étais sur quoi là ? Sur. Du renfort de scooter. Par contre, pour comment ça se fait que Londres. J'ai mis un train, deux trains qui font Londres-Oxford en direct. Non, Swansea c'est où ? Voilà. Swansea c'est là. Alors, il y en a un qui veut faire ça. Bristol, Swansea. Ah, il peut pas aller à Swansea. Pourquoi il peut pas aller à Swansea ? C'est pareil, pourquoi Birmingham en voyageur on est à 0% et il déconne le jeu. Ah, parce qu'il peut pas faire de changement ici. Tac, il me faudrait une grille en fait. Ah mais non, il pourrait là. Ah non, il faudrait un hôtel. Tu regardes où ? Ah, parce que je suis en train de toucher les trucs aussi. Alors attends, ouais, bah, touche pas tout parce que... Je suis en train de doubler une voie en fait, quoi. En arrivant là, faudrait que j'arrive là.
Ok, et là, là. Et normalement, si je fais ça, maintenant, si je demande un Bristol, là il fait, et ben ça le fait. On va lui dire que on veut un express en chargement de fret, d'express. Ah, je suis pas trop staffé, mais Ah, j'ai mon train dessus, moi il est bloqué, il veut plus, personne le laisse passer. Là. C'est le bordel à Londres. C'est vrai, moi je passe pas par Londres, moi je bifurque Londres. Eh mais du coup tu vois, je me retrouve avec le train Mais non, en plus c'est quoi ce train là? C'est quoi? Pourquoi le train il s'arrête à Londres? Normalement il va pas, il s'arrête pas à Londres lui. Moi par contre quand je clique sur Bristol, ce qui est bizarre c'est que je suis à 0. Ah, t'as changé quoi Flo? Mon train il peut plus passer à Birmingham directement. Attends, il a tout pété. Je te dis, je suis en train de doubler la voie. Ouais, mais sauf qu'avant il passait de l'autre côté. Avant il faisait Londres, la voie qu'on avait créée directement Birmingham. Sauf que là ça veut dire que t'as... Ah putain Flo, t'as repété des trucs, t'as repété mon trajet. Qu'est-ce que tu fais comme trajet? Bah j'avais j'ai Bristol-Oxford, mais non, Bristol-Oxford, il marche plus. Bristol-Oxford, il marche plus. Bah, si, il fait, et tu... Raison, mais non, tu le fais passer par Londres, et t'as pété le truc à Fafa du coup. Là j'ai juste parmi la grille encore, c'est tout. Attends, ah bah remets la grille, ah, voilà, merci, c'est bon, ça marche. Par contre là il y a un truc, non c'est bon. Ok. Ah putain, quel bordel. Le seul truc que j'ai pas fait, Fafa, c'est que j'ai pas réussi à remettre une des grilles parce qu'il y a un dénivelé. Ok, donc là, temps de voyage, ok, donc là c'est bon, ça passe. Birmingham, là par contre c'est bizarre, on en a 28 et il y en a 0 qui vont. Pourquoi de Bristol à Birmingham, il y a personne qui va? Eh bien regarde, j'ai mon train, il revient au point de départ avec tout son sucre. Comment tu veux qu'on gagne des sous avec ça? Moi ce que je vais faire, je vais modifier mon trajet de Bristol Swansea et je vais lui rajouter Birmingham dedans. Hop, tu fais un arrêt là et normalement, hop, yes, ça devrait le faire. Non, ça j'ai pas besoin de ça. Hop. C'est bon, ça augmente hein, tout doucement les chiffres. Ça va le faire, ça va le faire. Ah. Ouais, par contre, là, Londres, ça devient un sac de nœuds. Bon, non, ça va encore, non? Bah si, bah, t'as tous les trains, là, qui arrivent de l'Est. Pourquoi y'a personne? Tout ce qui arrive de l'Est, là, Cambridge. C'est bloqué. C'est bloqué, là-bas? Parce qu'en fait, si, je sais, attends, bouge pas. Vous voulez pas travailler plutôt sur des... faire un peu l'effet toile d'araignée, travailler un petit peu dans les villes qui sont autour de Londres, mais qui... Parce qu'en fait, nous, là, pour l'instant, tout ce qu'on demande, c'est d'avoir 350 000, mais il faut transporter des passagers pour avoir de l'argent. Pourquoi vous faites pas les villes qui sont autour de Londres, sans passer par Londres? Ça marche, ouais, hein, là, j'ai créé un express, en fait, qui traverse tout, là, j'étais en train d'essayer de le monter, c'est ça que c'est... Ouais, mais du coup, faut vraiment lui faire un réseau dédié, il faut pas que ça soit connecté avec les autres. Ouais. Ça parce que là le connecté, problème... mais je suis en train d'essayer de le faire passer à gauche, je suis en train de doubler. Tu vois, je double la voie. Alors, attends, sauf qu'en faisant ça, tu plantes tous les autres trains, quoi. Holyhead, c'est où Holyhead? Le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à dire qu'il y en a un d'un côté et un de l'autre, quoi. C'est juste ça. Putain, je vois pas Holyhead. Bah si, je suis con, moi, attends, parce que... Bon, c'est pas grave, on va faire d'autres. Je vais aller faire Cambridge. Personne s'occupe de Cambridge? Alors, Cambridge-Londres, il y a personne. Déjà, on va faire ça. Cambridge-Londres. Tout simplement, hop. C'est très chiant, on a même pas d'utilisation de voie, donc on va mettre un express comme ça. Hop.
Donc là, on va répondre à la demande ici, à Cambridge. Putain, ça se remplit direct. Donc là, on va avoir de la thune. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on a... On a vers Dover. Cambridge Dover. Pourquoi y'a personne? Pourtant, il devrait pouvoir passer. Cambridge Dover. Ah, il passe par Londres. Alors, attends. Oh, ça va être merdique, ça. Cambridge Dover. Dover. Pourquoi tu veux aller à Dover? Tu peux faire la liaison à... Bah, pourquoi? Pour satisfaire la demande et faire l'objectif. Tout simplement. Ah, mais... Je me demande si tu pourrais pas laisser les personnes changer à Londres. Faire un... En gros, moi, je pensais qu'on ferait un... Je sais pas, une ligne qui vient du... Ouais, mais le problème, c'est que Londres est surchargé. Bah, c'est surchargé, pas si tu le croises pas, quoi. Faut essayer que les flux se croisent pas, quoi. C'est ça. Ouais, mais là, il va forcément... C'est même encore pire, en fait, parce que... quand je clique sur Cambridge... et que je clique sur Dover... Il me fait un truc. Tu devrais essayer de le faire, l'itinéraire Flo. Ça fait peur. Je sais pas ce qui se passe à Londres, mais c'est. Ah, mais c'est. Bah, si, c'est le gros bordel. Il devrait pas fonctionner, je veux dire. Ah, non, c'est le gros bordel. Il faut un itinéraire parallèle. Ouais, tu recoupes, mais bien, ouais. Franchement, avant, quoi. Attends, j'ai livré je sais pas combien d'alcool à Londres et il me dit que je suis encore négatif. C'est pas sûr mon chargement d'alcool. Alors attends, là j'ai raccordé la voie de droite à... Attends, merde, putain, j'ai... Par contre, faut que tu fasses en deux fois. Je suis perdu dans le sens là, attends. Sinon tu fais en deux fois, tu raccordes d'abord à la première et après tu refais un... pour raccorder à la deuxième. Non mais ça va le faire. Bon, c'est un peu... Oui et non. Ah non, ça va pas le faire. Voilà. Attends, je me suis trompé de sens. Ok, donc là c'est bon. Mais c'est là que c'est pas bon. Tu m'as dit qu'on pouvait pas raccorder. Alors attends, si je fais démolir... Ah, il va me démolir la route entière. Non, mais si, refais une deuxième... refais un morceau de voie après. Non, démolis rien. Alors. Reprends ton. Non, démolis rien. T'as refait ton point et reclique sur la voie d'à côté. Bah, par contre, on va prendre un autre itinéraire parce que celui-là j'ai utilisé. Un autre. Ah. On est plus loin. Bah. Par 90. Bah, décale-toi un peu plus loin. Vers le bas de l'écran. Tu veux dire quoi? Là? Là, tu reprends et maintenant, alors plus vers le bas de l'écran, maintenant vers la. Tu prends ton point là, tu relis à la voie qui est sur la gauche. Existante. Ah, j'y arrive pas. Ça prend pas quand je clique dessus. Mais. Bah. Change de planificateur de voie là. Attends. Ah, mais attends, il l'a déjà construit. Ah merde. Oh, attends, allez, dégage-le. Mais non. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Mais non. Alors attends, hop. Putain, j'arrive pas à re-raccorder la suite. Bonsoir, ça va pas. Bruno, comment vas-tu de Salut Olivier. Ça va et toi? Merci pour ton 13e mois. Juste... Alors par contre, pourquoi j'ai un train qui arrive sans eau là? Dover. Dover Londres. Bon, Oui, y a pas d'eau dans le coin. Et si, tout à l'heure, t'étais bien parti, fallait juste... Non, y a de l'eau, là. Il fallait juste que tu recoupes encore tes deux voies ensemble. Attends, là il part comme ça, et lui il part dans quel sens là?
Je vais faire comme ça. Tac. Ok, et là. Normalement, on est pas mal. Comme ça et comme ça. Là, c'est ok. Donc maintenant, je peux faire Dover. Cambridge Dover. J'ai une voie directe. Je peux mettre un express avec des passagers. Hein ? On peut en vendre une entreprise ou pas ? Je sais pas. Putain, et notre solde... C'est pas foufou, hein, le solde mensuel. Hein. L'usine à sucre. Moins 1 million 64 000. Profit par semaine, moins 18 000. Par contre, toi, tu vas pouvoir... Il y a moyen de cliquer sur... Moi, je peux pas cliquer sur rendre, mais... Comment tu fais pour vendre ? Alors ? Ah, rendre ! Ouais, vas-y. Profit par semaine, ah ouais, Vous ne pouvez pas démolir cette entreprise, mais vous pouvez la rendre à ses propriétaires. Voulez-vous le faire ? Donc là, on fait quoi, en fait ? Hey. Bah, tu valides. On perd moins d'argent. Bah, on va perdre ce qu'on a misé pour l'acheter, mais... C'est pas grave. Et pareil, on a l'industrie de viande, moins 6000 par semaine. Elle est où l'industrie de viande ? Alors sinon, tu sais, en haut, t'as l'icône avec la liste des villes. Là. En haut à gauche. Ouais. Tout en haut à gauche. Ok. Et après, là, entreprise possédée. Ok. Entreprise possédée. Elle est là. Moins 6000. Tac. Celle-là. Et l'autre. Elle est pareil, hein, elle n'est pas bonne. Hein. Ouais, tu vends aussi. Ok. C'est un échec. Pas évident hein, d'avoir le solde. Je sais pas comment on s'est démerdé dans la campagne numéro 1. Le solde, moi je suis arrivé en fin de campagne et j'avais un solde qui était. Je l'avais déjà quoi, les 300 000, je les avais déjà. Je sais pas comment on s'est démerdé. Bon, faut continuer de travailler sur les liaisons. Les liaisons passagers, quoi. C'est pareil, on a Cambridge... Birmingham, Bristol. Pourquoi attends, Birmingham, Bristol, je comprends pas. J'ai un trajet qui va bien, pourtant. Qui satisfait tout le monde. Je comprends pas pourquoi ça marche pas dans l'autre sens. S'il y a que ça, hein. Tiens, hein, on bouge pas un trajet, hein. Toc, voilà, hop. Manchester, qu'est-ce qu'ils veulent, Manchester ? Ils veulent aller à Carlisle. Mais ils peuvent pas y aller. Les pauvres. On va leur faire ça. Manchester, Carlisle. Passant par Liverpool, avec ça. Ça, c'est ok. Ça est en express. Le train circule sur l'autre sens en direction. Oh, on s'en fout de ça. Du coup, t'as mis ton train. C'était un Dover Cambridge que tu disais. Ouais, ça y est, je l'ai fait. On va bien voir quand on va le rapport, mais. J'y crois pas trop. Ah, si, 100%. Holyhead. Ah, tiens, Holyhead est là. Tiens, Holyhead, ils veulent aller à Swansea. Mais ils peuvent pas y aller. Alors, hop, Holyhead, Swansea. Ah ouais. Ah non, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'on a de la thune ou pas ? Ou pas ? Ah putain, c'est la truc qui est impossible à raccorder, celle-là. De quoi ? Swansea est là. Ah non, non, autant pour moi. Attends. Il faudrait que je fasse là, en fait. Ouais, mais Swansea, on s'en fout. C'est juste le... D'ailleurs, toi, la gare, elle sert à rien, parce que c'est le charbon, mais pour l'instant, personne n'en veut. Bah si, là, j'ai Holyhead. Il y en a qui veulent y aller. Mais ils nous font chier, eux. Bah oui, mais... Y'a rien. Bah non, y'a rien, mais bon. Non, c'est Swansea qui veulent aller.
Après, on n'est pas obligé de satisfaire les demandes de tout le monde. Hein. Non, mais c'est Swansea, c'est pas Scollier. Donc Scollier Array, la gare, elle sert à rien. Puisqu'elle dessert que la mine de charbon, mais que pour l'instant, personne veut de charbon. Non. Donc moi, personnellement, ce que je te dirais, c'est tu supprimes la gare, tu supprimes les voies, et tu fais Swansea Gare en direct. Et là, après, tu peux faire du voyageur. En fait, ce que je veux, c'est contourner... Résultat positif, ok. Je voudrais contourner Londres, en fait. Je veux arrêter de passer à Londres tout le temps, en fait. C'est ça qui est chiant. York, ils peuvent aller partout. Sauf à Cambridge. Après, tu veux aller où ? Swansea, pour aller où ? Tout en haut, Holyhead. Cambridge, allez, tiens. Il doit y avoir moyen si on va faire un truc. La gare est dans une sorte. Toc, ça, ça va être bon. Et puis elle, on peut rien modifier parce que il y a le concurrent. Ok, ça c'est fait. Putain, ça augmente pas. Hein. Ça n'augmente pas. Hein.